go. When you had the answer, when you were there alone, you left the door unopened when you knew that you would want more. Give it up, give it up, give it away. Well, you were barely aware you learned that day. Cut off so much, hardly remained. Well, you knew that there was still a way. This is your only plan. Oh, now this is your only. Now this is your only plan. Oh, now this is yours. And you're right. You're forced to yield. You're forged it to the lines. You let your callous be your shield. And everyone will say go. Et bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Salutations, salutations. Alors, comment ça va aujourd'hui en ce beau actuel, enfin, faut le dire vite beau, hein. Samedi. Je sais pas pour vous, j'ai eu un samedi matin catastrophique dans le sens où j'ai absolument rien foutu. J'ai fait une quiche et sorti les poubelles, voilà. Voilà mon samedi matin, on a connu mieux quand même, hein, sachant que je me suis levé à 7h30. Et ça a été comatage devant des vidéos YouTube toute la matinée. Très bien. Très bien. Bon, après les week-ends aussi là, pour ça. Qu'est-ce que je voulais... Oui, j'ai un truc à check avant qu'on se lance. Mais bon, toujours est-il que cet après-midi, nous sommes ici, nous sommes présents. Ça devrait le faire, non? Bon, je pense, hein. Je pense que ça va le faire. Hop là, voilà, c'est ça que je cherchais. Ok, et donc là on fait ça. Et là on fait ça. Donc là si je fais ça. Ok, parfait. Voilà. J'ajoutais juste un raccourci pour pouvoir muter mon micro si besoin. Ça fait 6 mois que je dois le faire. Voilà, ça m'a pris 30 secondes. Bon. Je suis motivé pour l'instant. Cela dit, j'étais extrêmement fatigué en cette fin de semaine. Notamment hier où ça a été catastrophique. J'étais léthargique toute la journée.
Donc, on va y aller tranquille aujourd'hui. Hein. On n'est pas là pour. On n'est pas là pour se foutre la pression, clairement pas. On va y aller tranquille, pépouze. On reste le week-end. Mais on va tout de même avancer parce qu'on a du boulot. Pour rappel, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de faire ceci. Petit projet personnel. Le but final étant de créer notre propre jeu. Et pour ce faire, on commence par apprendre le langage de programmation qui va nous être utile, donc le C#. Ensuite, on va, juste pour bien prendre en main le C#, on va faire un petit projet, très certainement un bot pour la chaîne Twitch. Ensuite, en troisième étape, on va s'intéresser au moteur qui va nous intéresser, qui sera Godot. Pourquoi ? Parce que Fuck Unity et parce que Godot, de manière générale, semble plus approprié pour ce qu'on veut faire, notamment parce que le but sera faire un jeu 2D. Je compte clairement pas m'attaquer à de la 3D. Donc Godot, c'est léger, ça devrait bien faire le taf pour ce qu'on veut faire. Ça restera un petit projet. Hein. Et donc pour Godot, une fois qu'on maîtrisera Godot, on aura toutes les clés en main pour pouvoir se lancer dans notre propre jeu. Sachant que je dis ça, mais je ne sais pas si le tuto pour apprendre Godot ne nous permettra pas déjà de commencer à mettre les mains dans le cambouis pour notre projet à nous. Je ne sais pas si c'est des projets guidés ou si c'est juste ils nous présentent les features et nous on les testera avec nos propres trucs, on verra bien. Mais voilà, toujours est-il que c'est le projet. Et donc pour faire ce projet, eh bien... Nous suivons le cursus Foundational C# with Microsoft de FreeCodeCamp. Donc, basiquement, en fait, il nous guide vers des cours Microsoft qui nous intéressent. Typiquement, là, nous en sommes à Add Logic to Your C# Console Applications. Et la sous-section Develop Conditional Branching and Looping Structures in C#. Et hop, il nous file juste le lien. Et après, le cours est en français. Ça régale. Et on en profite parce qu'une fois qu'on sera sur Godot, le français, ce sera dans le cululu. Donc voilà. Donc là, ça va être un projet guidé. Donc ils vont nous présenter une situation et on va le suivre pour apprendre. On l'a appris la semaine dernière. Mais là, pour prendre en main le fait de faire des branches et des boucles conditionnelles. Donc les while, do while, for, tout ça. Je voudrais juste vérifier quelque chose. C'est parce qu'il me semblait. On ouvre Visual Studio Code. Bon, il y a eu une mise à jour apparemment. Septembre 2023, mais... Comment ça, mon ref? Bon, je suis pas sûr qu'on soit concerné par les changements pour l'instant. Et mon frère, le patch note. Le patch note, quoi. Donc, on va pas s'y intéresser. Nous, on va s'intéresser sur des trucs beaucoup plus simplistes. Mais voilà. Donc on va continuer ça. Je voudrais juste voir. Voilà, on en est là. On en est à 5 sur 8. Sur cette section, et après il nous restera encore 3 sections à compléter. Sachant que je pense que plus on va avancer, plus ça risque d'être long. Quoique debug, pas forcément en fait. Créer des méthodes, pareil. Non, peut-être pas. Bon, on verra. Toujours est-il qu'on a fait 2 parties. Là, on va finir la 3ème aujourd'hui, probablement commencer la 4ème, suivant ce qu'on va faire. Et ensuite, voilà. Je pense que j'aimerais bien que d'ici fin octobre, on ait fini ça. J'aimerais bien que d'ici fin octobre, on ait fini ça. Comme ça, on peut commencer à passer sur de la
pratiques plus intéressantes à partir de novembre. Et on se prendra novembre pour faire notre petit bot Twitch et on commencera à bosser sur Godot en fin d'année. Et surtout début d'année prochaine, le vrai projet création de jeux vidéo, il va nous faire 2024 en réalité. Pas forcément le premier jeu qu'on fera, mais en tout cas, faire des jeux, créer nos propres jeux, je pense que ça va être notre gros sujet de 2024. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ait les outils, au moins les outils, pour pouvoir voilà, mettre les mains dans le cambouis et y aller en 2024. Je pense que ce sera des projets intéressants. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on a des testeurs, hein, on a des gens qui sont déjà là pour tester pour nous, hein. On a Chris, on a l'archiviste, on a Tsum, on a Wizdeck, voilà. On a du beau monde, hein, pour tester tout ça, donc ce sera intéressant. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour commencer. Je crois. Oui, je crois. J'en ai à réfléchir, hein, mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver la musique un petit peu moins prenante pour l'esprit. C'est important d'avoir de la musique qui nous prend, voilà, qui nous permet de ne pas nous attarder dessus, qui est vraiment bien en bruit de fond, mais c'est tout. On va prendre ça. On va prendre Sessions comme playlist. Hop. Voilà, c'est bien comme ça. On va même faire ça. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Et puis on va se lancer. Je voulais check quelque chose. J'ai pensé à quelque chose tout à l'heure avant de lancer. Je me suis dit, tiens, il faudra que je le check en live. J'ai oublié. J'ai oublié, Ruf. Ben dommage. Ben dommage. Ben c'est tout, on va avancer. Puis on va avancer sur notre truc. Et puis on verra le moment venu si je m'en rappelle. Est-ce que si je fais ça, j'ai accès? Non, voilà, j'ai pas accès à Visual Studio Code. Il faudrait que je vois. Je suis sûr qu'avec le Stream Deck, il y a moyen de faire qu'on puisse switch d'une fenêtre à l'autre juste en appuyant sur le Stream Deck. Parce que là, je pourrais mettre. Ah non, ça marcherait pas parce que j'ai 40 pages de Brave ouvertes en fait. C'est débile ce que je dis. Je crois que je pourrais bind un Alta, mais dans ce cas, donc je le fais soi-même. Donc, bref. Faut que j'avance aussi le CS50, hein, parce que le CS50, j'ai pas avancé. Hein. Il me reste encore 3 shorts à regarder de la week 1. Ça fait 3 semaines, donc je suis sur la week 1. Bon. Il va peut-être temps de se bouger le fion. Pour. Mais ça, je l'ai fait par contre, le practice problems et tout. Ça je l'ai fait, mais il me reste toujours les shorts à regarder de CS50 pour en passer à la suite. Faut que je continue ça aussi. Et bon, pas trop eu le temps cette semaine, j'ai eu le temps de rien faire. J'ai un peu dessiné cela dit, J'ai eu le temps de rien faire donc. Bon, trêve de bavardage. On est reparti pour les romans. Il est courant que les développeurs commencent un projet en développant des fonctionnalités qui importent ou génèrent des données pour l'application. Une fois que votre application a accès aux données dont elle dépend, vous pouvez commencer à développer les fonctionnalités qui traitent les données et génèrent des rapports. Ça fait sens. Supposons que vous êtes développeur et que vous aimez soutenir la communauté locale. Vous et certains de vos amis avez créé une association qui aide à trouver de nouveaux foyers d'accueil pour les chats et les chiens errants ou abandonnés. Votre association a commencé petitement avec seulement quelques animaux, mais elle a commencé à croître. Vous voulez créer une application qui va vous aider à mettre en correspondance les animaux dont vous vous occupez avec les personnes à la recherche d'animaux de compagnie. Vous avez constaté qu'il est important d'avoir une description détaillée des animaux à partager avec les propriétaires potentiels. En outre, pour voir décrire la personnalité du chien ou du chat, les rend plus attrayants pour les propriétaires potentiels. Vous décidez de créer une application qui vous aide à gérer les informations sur les chiens et les chats dont vous vous occupez.
Ce module vous guide dans le processus de développement des fonctionnalités centrées sur les données de l'application. ContoSoPets. Vous allez utiliser les instructions de sélection et d'itération pour créer des exemples de données, lister les animaux dont vous avez la charge et ajouter de nouveaux animaux. Voilà, merci. Dans toute l'application, vous allez utiliser des variables et des expressions pour contrôler l'exécution des branches de code. Vous allez aussi veiller à ce que l'étendue des variables soit appropriée. L'application que vous développez va ajouter les exemples de données prédéfinies au tableau des animaux, itérer un bloc de code option de menu et sélection de l'utilisateur pour établir la boucle externe de votre application, implémenter des branches de code correspondant aux sélections de menu de l'utilisateur, appliquer toutes les informations contenues dans le tableau utilisé pour stocker les données des animaux en fonction de la sélection de menu de l'utilisateur, itérer un bloc de code, ajouter de nouvelles informations sur les animaux qui permet à l'utilisateur d'ajouter un ou plusieurs animaux au tableau des animaux en fonction de la saisie de l'utilisateur. Ok. Dans un projet guidé, vous allez utiliser Visual Studio Code. Votre application va utiliser des expressions booléennes, des instructions de sélection et des instructions d'itération pour implémenter les fonctionnalités d'une spécification de conception. Lors du développement de l'application, vous devrez étendre les variables au niveau approprié. Très bien. Oh, sa mère. Vu l'ensemble du projet, je vais faire des live lectures de romans, je pense, après. Vu l'ensemble du projet. Vous travaillez sur l'application ContoSoPets qui permet de placer les animaux domestiques dans de nombreux foyers d'accueil. Les spécifications de votre application sont les suivantes. Créer une application console C#. Stocker les données d'application dans un tableau de chaîne multidimensionnelle nommé Our Animals. Le tableau Our Animals comprend les caractéristiques de l'animal suivantes pour chaque animal. Numéro d'ID de l'animal, espèce de l'animal, âge de l'animal, une description de la condition des caractéristiques de l'animal, une description de la personnalité de l'animal, le surnom de l'animal. Implémenter un ensemble de jeux de données qui représentent des chiens et des chats actuellement sous votre garde. Afficher des options de menu pour accéder aux fonctions principales de l'application. Les fonctionnalités principales des tâches suivantes. Lister les informations de l'animal pour tous les animaux figurant dans le tableau Our Animals. Ajouter de nouveaux animaux au tableau Our Animals. Les conditions suivantes s'appliquent. L'espèce de l'animal chien ou chat doit être entrée quand un nouvel animal est ajouté au tableau. Un ID d'animal doit être généré par programmation quand un nouvel animal est ajouté au tableau. Bah oui, mais en fait, l'ID, ça peut être l'index du tableau, non? Non, ah, peut-être pas. Certaines caractéristiques physiques d'un animal peuvent être inconnues jusqu'à l'examen par un vétérinaire. Par exemple, l'âge, la race et l'état castré stérilisé. Le surnom et la personnalité de l'animal peuvent être inconnus quand un animal arrive. Vérifiez que l'animal et les descriptions physiques des animaux sont enregistrées. Ceci peut être nécessaire après examen par un vétérinaire. Vérifiez que les surnoms et les descriptions de personnalité des animaux sont renseignés. Cette action peut se produire une fois que l'équipe a appris à connaître l'animal. Modifiez l'âge d'un animal si la date de naissance d'un animal est connue et que l'animal a un anniversaire pendant qu'il est sous votre garde. Modifier la description de la personnalité d'un animal. Un animal de compagnie peut se comporter différemment après avoir passé plus de temps sous votre garde. Afficher tous les chats qui correspondent aux caractéristiques physiques spécifiées par l'utilisateur. Afficher tous les chiens qui correspondent aux caractéristiques physiques spécifiées par l'utilisateur. C'est un projet guidé, hein, on sait faire tout ça, mais en gros ils vont nous aider à redécouper parce que la programmation c'est toujours un truc de redécouper un gros problème en plein de petits problèmes. Une version initiale de l'application a déjà été produite. Le projet de code de démarrage pour ce module projet guidé comprend un fichier programme.cs. Ah mais en plus ils nous fournissent une base du code dont les caractéristiques sont les suivantes. Le code déclare les variables utilisées pour collecter et traiter les données des animaux et les sélections d'éléments de menu. Le code déclare le tableau Our Animals. Le code utilise une boucle for autour d'une fonction if else pour remplir le tableau Our Animals avec un exemple de jeu de données. Le code affiche les options de menu principales suivantes pour la sélection de l'utilisateur. C'était toutes nos informations. Ok, bon, oui, mon frère. Hein. Entrer la sélection d'éléments de menu ou taper exit pour quitter le programme.
Le code lit la sélection d'éléments de menu de l'utilisateur et affiche un message faisant écho à la sélection. Votre objectif est de développer les fonctionnalités qui implémentent les deux premières options de menu. Lister toutes nos informations actuelles sur les animaux, affecter les valeurs au champ du tableau Our Animals. Ok. Mettre à jour le code utilisé pour créer des exemples de données pour l'application. Construire. Ok. Alors. Fichier de labo. Alors non, ça va pas dans ce dossier-là. Oh merde, je l'ai pas vu au bon endroit. Attendez. Je fais de la merde. Je l'ai mis là ? Non, je l'ai pas mis là. Hein ? Attendez, j'ai fumé. À l'instant, visiblement, j'ai fumé. Mais c'est où ce dossier ? Attendez. Ah ! Ah ouais, j'ai fait ça moi ? J'ai fait ça moi ? Ah oui, j'ai fait ça. Je suis débile. Bon, c'est tout, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je pensais que j'avais cloudé les fichiers qu'on utilise, mais apparemment non. Ce qui me paraît... risqué. Non. Enfin, je sais pas. Ok. Project, guided project, branching, looping, C-sharp main. Ok, donc ça va être ça notre dossier. Donc ça va être ça. Je vais vous remontrer dans un instant. Guided project, branching, looping, C-sharp main. C'est là. Hop, ouvrir un terminal. Voilà, on est bon. Attends, il est peut-être pas bon. Un instant. Ok. Et donc, on a Guided Project, Starter, parce que bon, au final, c'est la correction. Hop, et donc là, on est sur notre dossier avec programme.cs. Okay, donc ce qui nous intéresse. Et donc là. Ok. Ah, c'était quoi? C'était notre netrun. Oui. Ok, et donc là, en fait, on choisit voilà, une option pour choisir ce qu'on veut. Par exemple, si on veut faire un 4, un an 3. Sur Animal Age and Physical Descriptions are complete. On fait ça. Ça ne veut rien parce que ça n'a pas été... ça n'a pas été implémenté. Ok.
Godot en train de faire ça. Ouais, je trouve ça catasque cette histoire, mais c'est pas grave. En fait, ça là, ils auraient pu directement le faire dans le if else. On va, j'imagine qu'ils font ça pour que ce soit plus facile à comprendre, mais ok. Voilà, on a le console .write, mais ça fait rien forcément. Readline, mais on n'utilise pas readResult. Ah si, on l'utilise là. Mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas dans le nom. Ouais. Ok. Bon, on va voir ce qu'ils veulent qu'on fasse. Donc on a décompressé, allez. Hein. Créer des exemples de données et des boucles de sélection de menu. Dans cet exercice, vous passez en revue le code dans le projet de démarrage, vous effectuez quelques tâches de nettoyage du code, puis vous commencez à ajouter des fonctionnalités à votre application. Les tâches que vous souhaitez effectuer au cours de cet exercice sont les suivantes. Révision du code. Passez en revue le contenu du code fichier programme.cs. Exemple de données, boucle de menu, sélection de menu, branche de code. Test de vérification. Passons en revue le code du fichier. Dans cette tâche, vous effectuez une procédure pas à pas du code du projet starter. Le fichier programme.cs contient une version préliminaire de l'application que vous mettez à jour dans ce module. Le code existant génère des exemples de données pour l'application et affiche une liste d'options de menu. Les options de menu représentent les fonctionnalités principales de votre application. Vérifiez que le projet Guided Project est ouvert. Oui, bon, hein. Non, mais vas-y, frère, ta gueule. Prenez quelques minutes pour passer en revue du code. Notez que la partie supérieure de votre code commence par quelques déclarations de variables. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu effectivement. C'est-à-dire que là. On peut pas sélectionner comme ça ? Oh, ok. Ça, là, c'est de la déclaration de variables. On a donc les éléments qui représentent nos animaux. On a des données pour remplir le tableau, notamment readResult, ça va être... D'ailleurs, je sais pas ce que c'est ça, string.interrogation. ReadResult, du coup, qui va être ce qu'on va saisir, et menu sélection, pour l'instant, c'est vide. On va sûrement l'utiliser par la suite. Menu sélection, là, ah oui, c'est selon ce qu'on a choisi, ok. En haut du fichier, vous voyez une ligne commentaire et une liste de variables. Ces variables de Animal Species à Animal Nickname. Celles-ci donc. Sont utilisées pour contenir les valeurs caractéristiques d'un animal. Plus loin dans le code, vous affectez les valeurs caractéristiques à un tableau de chaîne multidimensionnelle nommé Our Animals. Chacune de ces variables est initialisée de façon à contenir une chaîne nulle. Le tableau Our Animals est déclaré un peu plus bas dans le code. Oui, du coup. Non, j'ai rien dit. Le groupe de variables suivant est un mélange de variables string et int. Que vous utilisez pour générer des exemples de données, pour lire les entrées utilisateurs et pour établir le critère de sortie de votre boucle de programme principal. Donc là, int backspace et les deux strings, du coup, pour remplir et lire tout ça. Vous avez peut-être remarqué que une de code string point d'interrogation read result, quand il est utilisé dans une déclaration de variable comme celui-ci, le caractère point d'interrogation définit une variable de type nullable. Ah mais oui, ok, oui, donc ça veut dire qu'elle peut être ok. Lors de la lecture des valeurs d'entrée par l'utilisateur avec la méthode console.readline, il est préférable d'utiliser un type nullable. Nullable. Parce que si l'utilisateur ne saisit rien, sinon ça va foutre la merde. La variable finale est un tableau de chaîne à deux dimensions nommé Our Animals. Étant donné que vous instanciez le tableau sans initialiser de valeur, vous utilisez l'opérateur new. L'opérateur new est utilisé pour créer une instance d'un type. Le nombre de lignes est défini par maxPets qui a été initialisé à 8. Le nombre de caractéristiques que vous stockez est de 6 correspondant à. De 6 correspondant variable de chaîne. Le nombre de caractéristiques. Correspondant. Oui, ok. Oh la vache. Manque une virgule qui parle dans votre phrase, Eman. Variable de chaîne que vous avez examiné plus haut. Oui, donc ça. Mais ça, je crois qu'on n'a pas vu. Je crois qu'ils nous ont pas fait faire les trucs de tableau à deux dimensions. Bon, c'est pas bien compliqué. Hein.
Mais effectivement, là, on voit qu'on donne deux tailles, en fait. C'est parce que, et d'ailleurs, on le voit là après. En fait, il y a la première dimension, donc I. Donc ça, c'est le nombre d'animaux. En fait, la première dimension, c'est le nombre d'animaux. Et après, dans chaque case I, on en a à nouveau 6 cases de plus qui sont les caractéristiques. Si je dis pas de conneries... Mais je dis peut-être une connerie... Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas possible en C#. C'est possible dans certains langages, il me semble. C'est que les tableaux n'ont pas forcément... Par exemple, la deuxième dimension peut avoir une longueur variable selon la première. C'est-à-dire, par exemple, dans l'index 0, la deuxième dimension pourrait être de 6. Mais en index 3, la deuxième dimension pourrait être de 2 en taille. Il me semble. Je dis peut-être de merde. Après, c'est juste qu'en fait, on n'initialise pas les cases vides du tableau. Mais... Faites défiler le bas vers le bas pour examiner la boucle for qui contient une construction de section if-else-if-else. Ça me fait tellement mal au fion de voir ça, mais c'est pas grave. Effectivement, là, on parcourt la première dimension et selon l'indice de la première dimension, on remplit déjà les 4 premières cases. Ensuite, rien. Mais du coup, ce que je vois, c'est si on prend le... Ah oui, on utilise un for parce qu'on a besoin d'accéder à l'index. Notez qu'en fonction if-else-if-else branche sélectivement votre code en fonction des caractéristiques des animaux. La construction if-else-if-else est utilisée pour définir différentes valeurs pour les 4 premières itérations de la boucle for. Après la quatrième, une chaîne vide de longueur nulle est affectée à toutes les caractéristiques. Effectivement. Alors qu'on est à 8 en max, on n'en remplit que la moitié en réalité du tableau. Les valeurs des variables de caractéristiques d'un animal sont affectées au tableau Our Animals dans le bas de la boucle for. Faites défiler jusqu'au bas du fichier de code, puis examinez le code utilisé pour afficher les options et lire la sélection de l'utilisateur. Donc ceci. On affiche les options. Enfin d'abord on clear la console, mais ça c'est plus pour une question de lisibilité. On affiche les options. On lit la sélection de l'utilisateur. Menu sélection, point result to lower. Ah oui, ok, on remet en lowercase ce qu'a tapé l'utilisateur pour être sûr. On aurait même dû faire un parse, je pense, mais c'est pas grave. Et ensuite, on dit, vous avez sélectionné l'option tard. L'option 3 par exemple. Et ensuite on demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Et ça va lancer la suite, sauf que là il n'y a rien. Donc, une fois qu'on appuie sur la entrée, ça va faire ce qui se passe en dessous, sauf que là pour l'instant il se passe rien parce qu'on ne l'a pas implémenté. Notez que vous affectez la variable retournée. Ok. Convertir une instruction if en instruction switch. J'allais dire, c'est quand il nous donne la solution, mais oui, c'est normal. Bon, effectivement, donc là, effectivement, vu qu'en fait, c'est des cas avec i égale machin, on peut faire un switch, puisqu'on le if-else ne dépend que de la valeur de i. Donc, en gros, là, effectivement, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de faire if i machin, on va faire un switch sur i. Et ensuite, on va faire case 0. Case 0, 2 points. Et puis ensuite, on va mettre tout ça. Est-ce qu'il nous donne toute la... Non, il ne nous donne pas les trucs. Bon, on va les copier-coller parce que je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de le taper. Même si on n'aurait plus copier-coller là, en fait. Mais... Ah oui, merde. Attendez, je suis la merde. Un instant. Mais non, mais... Con de...
On va copier directement de là. Donc attendez, ça c'est mort. Maintenant on est à... Voilà. D'ailleurs les cases ils mettent pas là. Ah oui c'est bien, ils mettent une indentation. Hop. Case 2. On va faire ça direct, comme ça on va gagner du temps. Hop, alors, ça c'est bon. Ça. Hop, ça. Hop. Et on met un default. Je sais plus s'il faut mettre un... Je sais plus s'il faut mettre un break sur un default. Attendez. On va... Delete tout ça. On n'a plus besoin. Est-ce qu'on a bien notre... Ouais, ok. Est-ce qu'ils mettent un... Mince. Est-ce qu'ils mettent un break au default? Oui, ils mettent un break au default. J'avais un doute. Ok. Donc ça, c'est notre switch. Donc en fait, ce qui nous fait gagner du temps, c'est que du coup, on va aller beaucoup plus vite dans le remplissage du tableau, niveau temps d'exécution. Notez que la construction Eiffel s'est maintenant complètement remplacée par une construction switch case. Et que le symbole de la ligne rouge ondulée a disparu. Ah, j'avais zappé cette étape. S'il reste encore des parties de votre construction Eiffel sous la construction switch incomplète, vérifiez si vous avez manqué une étape. Rappelez-vous qu'une l'exécution d'une section n'est pas autorisée à passer à la section switch suivante. L'instruction break est utilisée pour garantir que ce passage ne se produit pas. Effectivement, puisqu'on est dans le switch, dès que le code va rencontrer l'instruction break, il va sortir du switch, donc il va ressortir, voilà. Il va revenir ici. Dès qu'il va rencontrer break quelque part, il va venir ici, et donc après il va continuer à lire les instructions dans l'ordre, mais une fois qu'il est sorti de ce switch. Ah oui, on peut build pour vérifier. Et voilà, incroyable, pas d'erreur, on est trop fort. Suite. Créer la boucle de menu du programme. Dans cette étape, vous allez créer une boucle do qui entoure les options du menu et le code qui lie entrée utilisateur. Cette boucle garantit que le menu principal est actualisé pour l'utilisateur chaque fois qu'il effectue une sélection de menu. Cette boucle itère jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter le programme. Donc j'imagine que le while, ça va être while, voilà, menu sélection différent de exit. Créer le code vide au-dessous du commentaire. Ok, display the top level menu options. Ok, ici. Donc effectivement, on va faire un do. While menu sélection est différent de exit. Alors tout ça, ça va remonter en fait. Tout ça, ça va rentrer dans le do.
Mais ça ferait que ça. Bon, on va voir comment ils font. Ces expressions vous garantissent que votre boucle Do itère jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter l'application. Chaque itération va afficher le menu et lire la sélection de menu de l'utilisateur. Notez que l'indentation des lignes de code n'est pas ce que vous vous attendez à voir à l'intérieur du bloc de code de votre boucle Do. Hein? Oui, mais d'ailleurs, il faudrait que je mette le read result. Non, mais attendez, en fait, bon, ça me saoule. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Comme ça, au moins, maintenant, on est propre. Alors, oui, le way, le vrai, je devrais le... Voilà. Ce serait plus simple. Maintenant, en réalité, même ça, ça va remonter. Ok. Pour spécifier, expression booléenne, ok. Pour que Visual Studio corrige l'indentation de ligne de code, ok, bon, allez vous faire foutre, putain, c'est bon. Attendez. Ils ne disent pas jusque où ils voulaient qu'on mette dans... Bon. Je vais me faire confiance là-dessus. Voilà. Bon, attends, si je fais 4, ça réaffiche. Vous avez sélectionné les options 4, mais en réalité, bah, du coup, ça fait rien de plus puisque... puisqu'il n'y a pas l'instruction, il va juste après retourner dans la boucle. Par contre, si j'appuie sur, si je fais exit, voilà, là on sort. On est bon. D'accord, ok. Ok. Instruction switch pour les sélections de menu. Bah oui. Donc on va faire un switch sur menu sélection. Donc en dessous de ça. Puisqu'on sait, on affiche quand même qu'il a sélectionné tel menu. Là maintenant on va faire un switch sur menu sélection. Et on va faire case. Je crois qu'ils veulent qu'on fasse... je crois qu'ils veulent qu'on fasse juste les deux premiers menus, hein, il me semble. Suivant, utiliser pour envoyer la section du menu. Pour commencer, ok. Donc switch menu sélection, case one break, voilà. Quoi? Pourquoi ils veulent. Je croyais qu'on n'implémentait pas jusqu'au 8. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Soit. QR code, espace réservé pour chaque cas de instruction switch. Dans cet étage, vous mettez à jour les chemins d'exécution du code créé pour par votre instruction switch. Quand vous avez terminé, chaque section switch fournit un feedback à l'utilisateur pour confirmer sa section de menu. Fournir un feedback qui confirme l'entrée. Ok, feedback à l'utilisateur, savoir que code. Oui, on est super. Ok. Ah oui, ok. Là, on commence à implémenter vraiment que le case 1 et case 2. Ok. Ok. Case 1.
Et case 2. Donc là, c'est... là, je fais du copier-coller parce que c'est vraiment juste afficher deux phrases. Bon, on a autre chose à foutre. C'est toujours commentaire la ligne pour case 2, add a new animal. Oui. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on sait. On sait ce que vont faire nos cases. Donc, on va pouvoir savoir ce qu'on va implémenter. Liste tous les animaux et ajoute un animal dans le tableau. Frère, les autres cas, ils ont s'en bat les couilles. Alors, écrire du code pour afficher les données du tableau. Donc, on va commencer par le cas 1. Le cas 1 qui, du coup, on va, pour lequel on va créer une boucle for externe utilisée pour itérer à travers les animaux du tableau Our Animals. Vous examinez la relation entre les dimensions de votre tableau et les paramètres de votre boucle for. Vous considérez aussi les différences entre utilisation d'instruction for et d'instruction for each lors de l'utilisation de tableaux multidimensionnels. Ok. Donc ça, c'est notre case 1 à l'heure actuelle. On va supprimer les console.writeLine. C'est une de code, voilà. Commencez par faire une instruction for. Pourquoi on fait pas un for each, là, par contre? Pourquoi on fait pas un for each? C'était quoi? C'était Max Pets? Ouais, c'était Max Pets. Ah, voilà, ils en parlent. L'objectif est d'itérer sur chaque animal du tableau à un animal un par un. Alors pourquoi ne pas utiliser... Ah, parce que tout le tableau n'est pas rempli? Après tout, avec un structure for each et comment dessus, dans le cas où vous souhaitez itérer sur chaque élément du tableau. Oui, effectivement. La raison pour laquelle vous participez à la book for each dans cette situation est que le tableau Animals est un tableau multidimensionnel, comme avoir Animals est un tableau. Ah oui, on a besoin d'avoir accès à l'index. Voilà, la for each reconnaîtrait chaque chaîne en tant qu'élément distinct d'une liste de 48 éléments de type chaîne. L'instruction for each ne va pas traiter les deux dimensions du tableau séparément. En d'autres termes, une book for each ne va pas reconnaître 8 lignes d'éléments de type chaîne où chaque ligne contient une colonne de 6 éléments. Bah oui, en fait, le for each va croire qu'on a 48 éléments dans le tableau. Cependant, si le tableau Our Animals est un tableau irrégulier configuré comme tableau de chaîne de caractères, vous pourrez utiliser l'instruction for each dans le cas où vous souhaitez créer un for each pour une boucle externe et un second for each pour une boucle interne. La boucle externe va itérer à travers les éléments du tableau de chaîne dans le tableau irrégulier. Les tableaux de chaîne sont des lignes dans le tableau à deux dimensions. La boucle interne va itérer à travers les éléments de chaîne contenus dans le tableau de chaîne. Les éléments chaîne. Putain, trop de chaînes là, what the fuck. Ouah, vache, les frérots, au secours, hein, votre explication. Hein. Oui, ok, bon. Au moins maintenant, là, c'est plus clair. C'est-à-dire que là, on parcourt le tableau, mais du coup, on met des trucs pour lui montrer que c'est la première dimension. Ensuite, on fait un for each value in array. Et là, dans ce cas, on sait que c'est cher. En fait, parce qu'en gros, à chaque fois, ça va recréer un tableau de chaîne de caractères pour chaque élément du tableau. Pour chaque élément. En gros, ça va parcourir ça. Ça va prendre le premier index. Ça va recréer un tableau à partir de ça. Mais du coup, autant utiliser un for dans ce cas, puisqu'on a du coup...
Voilà, pour l'application, il est probablement plus facile d'utiliser un tableau de chaîne multidimensionnelle et des boucles forts imbriquées plutôt qu'un tableau irrégulier, des boucles forts riches imbriquées. Maintenant que vous voyez comment chaque option fonctionne, vous allez faire votre propre choix dans de futurs projets de codage. Donc on pourrait utiliser deux for each. C'est probablement le plus simple et le plus efficace. Mais pour une question de lisibilité, utiliser un for, ça nous permet de nous y retrouver plus facilement dans notre parcourage de tableau. On va dire ça comme ça. Donc là, on va faire notre tableau for et ensuite, on va check que chaque élément est différent de un espace vide. Mais c'est pas un espace qu'on a mis là. Quand c'est vide, c'est pas un espace. Ah si, là on met l'espace, ok. Donc on fait un if our animals. Et là donc on est sur l'index i qui est ici. Et là on devrait même faire ij en fait. Parce qu'on devrait refaire un for qui reparcourt après. En fait là, on devrait... Pourquoi d'ailleurs on le fait pas ça? Il y a une raison. Il y a une raison que là on refait pas une deuxième boucle. Parce que du coup on va faire 8000 if là. D'abord, que c'est vrai côté gauche de l'expression, noter les variables contrôle. Ah mais oui, parce qu'à chaque fois c'est une chaîne de caractères spécifique. Du coup, on peut pas. Oui, ok. Mais en fait, c'est parce que leur tableau, ils le remplissent un peu chelou. Parce qu'en réalité, là, ils remplissent leur tableau avec ID, spaces, machin. Mais en fait, c'est débile. Pourquoi c'est débile? Parce qu'on sait que de toute façon, dans tous les cas, ça va être la même chose dans tous. Donc en réalité, ce ID, ce species, ce age, en réalité, normalement, tu ne les mets qu'à l'affichage. C'est-à-dire qu'en fait, ton affichage, ici, là, ce qu'on va faire, en fait, hein, on aurait dû mettre ces éléments-là dans notre console de straight line. Et stocker uniquement dans our animal i0, uniquement animal ID. En faisant ça, du coup, ici... Plutôt que de faire ça là, plutôt que de faire 6 if, non 6, 6 if de merde, dans ce cas là, on referait un for qui parcourrait le deuxième tableau et notre if serait juste if our animals i,j différent, en fait juste note nulle. Donc, if our animals ij. Et là, on fait quelque chose. Puisqu'en gros, ça va check s'il y a une donnée ou pas en faisant ça. Et dans ce cas-là, ça nous simplifie. Parce que là, du coup, on va faire 6 if de merde. Plutôt que juste refaire une deuxième boucle for pour j égale 0 tant que j est inférieur strict à 6. J++. Console.WriteLine. Même pas en fait. Même pas en fait. Si, mais oui, ouais. Bon, là comme ça je me perds, mais bref, on comprend l'idée. On comprend l'idée. Parce que du coup, faut qu'on fasse ça. En fait, moi, j'aime bien construire les algos de façon à ce qu'ils couvrent le plus de situations possible sans qu'on ait retapé du code. Et du coup, c'est... Ah ouais...
Animals. Par contre, ouais, attendez, j'ai fait une connerie là. Mais il va me dire, what the fuck, mon frérot, de quoi tu me parles? Voilà. Et donc là, si on enregistre, j'en fais un build pour vérifier s'il y a des erreurs de compile. Ah, il y en a une. Cent deux. Ah. Faudrait que ce soit ça. Ce qui considère en fait l'input de l'utilisateur comme une chaîne de caractères, c'est ça? Du coup, je suis pas sûr que ça marche. On va tester. On n'avait pas testé ça? Peut-être pas. Alors. Ok. Donc là, si on fait 1, si ça marche, ok. Donc là, on fait entrée pour ça nous remet là. Et là, on fait exit. Et ça nous sort du programme. Ok. Ok. Afficher toutes les caractéristiques pour les animaux auxquels les données sont affectées. Dans cette chaîne, vous créez une boucle for à l'intérieur du boucle. Ah oui, parce qu'il faut un seul if. Ah oui, il faut un seul if. Si ça, c'est pas vide, dans ce cas, on peut afficher le reste. Par contre, pourquoi Ben non, frérot. Ça va là. En fait, si l'ID est saisi, c'est que l'animal existe. Donc après, on s'en fout. On peut directement faire. For in j égale 0, tant que j est inférieur strict à 6, quelques espaces par pitié, j++, voilà, hop, on fait ça, on le récup, on le met là-dedans, bien, hein, hop, sauf que là on n'affiche pas I0, mais bien IJ. Là on va afficher tous les éléments. J'imagine que c'est ce qu'ils font, ouais voilà, c'est ce qu'ils font là. Parce qu'effectivement, si l'ID n'est pas vide, dans ce cas il y a des infos à afficher. Il n'y aura pas forcément toutes les infos affichées. Mais du coup là maintenant qu'on a fait ça, si on fait... un build, normalement ça marche, et du coup si on run et qu'on va sur le 1, voilà, là on a toutes nos infos. Bon, ça manque un peu de clarté, c'est voilà, faudrait mettre des espaces. Moi je pense qu'on peut se mettre 2 là, là je pense qu'on peut se mettre Est-ce que ça marche les anti-slash n en C-sharp? On va se dire que oui. Ah, alors là, c'est un petit peu trop espacé. Attends, j'ai mis où mon... Attends, mais l'anti-slash n, ça fait quoi en C-sharp? Pour faire autant d'espace?
Parce que là, il nous a fait 3 espaces. Et là, il nous en a fait beaucoup trop. Il nous en refait 2 encore. Ah, parce que The Threat Line, ça en fait déjà une. Et pourquoi il y a tout ça, là? Ah, parce que Max Space, il y a plein de trucs vides. Donc, en fait, ça, les espaces comme ça, c'est bien. Je vous disais, il nous fait plein d'espace parce que, bah oui, Max Pets, il est vide. Donc, en réalité, il faut juste le mettre là, en fait, le... Voilà. Il faut juste le mettre là. Voilà, maintenant, si on run et qu'on va sur 1... Oh. Je peux enregistrer. J'ai un doute. Voilà. Bon. Donc là, voilà, maintenant, si on affiche mieux, on a nos infos sur nos animaux. Alors même ici, press enter. Ça, c'est l'autre problème. Ouais, ça, c'est un autre problème. On est d'accord que le press center key to continue. Voilà. Ça sera plus lazy. Bref. Arrêtez ça, on peut le mettre. Non, mais arrêtez. Non, je suis débile. Ça, on peut le laisser en haut avant le switch. C'est juste qu'il faut, voilà, mettre l'anti-slash N pour mettre un espace histoire d'améliorer la lisibilité de notre affichage. Bref. Ok. Bon, maintenant, c'est ça qu'on a. Mais eux, on dû en mettre un, du coup, j'imagine. Pour qu'il y ait des espaces comme ça. Créer et tester une boucle pour entrer de nouvelles données sur les animaux. Calculer pet counts. Écrire du code qui compte le nombre d'animaux du tableau animals auxquels les données sont affectées. Message conditionnel. Écrire du code pour afficher le message quand pet count est inférieur à max pets. Boucle externe. Et on est obligé de... Critère de sortie. Ok. Compter le nombre d'enregistrements du tableau animals. Vérifier Visual Studio, ouais, ok, super. Rechercher une option switch menu sélection, puis rechercher une de code case 2. Rechercher instruction console de choix line qui affiche le message coming soon, bientôt disponible, puis remplacer là par une ligne de code vide. Dans la ligne de code vide, vous avez créé, entrez le code suivant pour déclarer les variables another pet et pet counts. Ok, on est là sur notre case 2. On tèche ça. On tèche ça et on met ça à la place. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Cette variable contrôle l'itération d'une boucle while utilisée pour entrer de nouvelles données sur les animaux. Vous initialisez les deux variables lors de leur déclaration. Another pet est initialisé à valeur Y. Avant le début de la boucle while, elle va recevoir une valeur affectée par l'utilisateur yes or no à l'intérieur de la boucle while. Pet count représente le nombre d'animaux auxquels les caractéristiques ont été affectées. Une valeur calculée. What the fuck? Une valeur calculée lui sera affectée en dehors de votre boucle while. Sera incrémentée de 1 à l'intérieur de la boucle while chaque fois qu'un nouvel animal est ajouté au tableau Our Animals.
Bordel de merde. Déficit toujours étendu de votre variable de façon aussi étroite que possible dans l'application ContosOpeds. Vous pouvez définir l'étendue de PetCount au niveau de l'application au lieu de la délimiter au bloc de code case 2. Cette plus grande étendue vous permet d'accéder à PetCount depuis n'importe quand dans l'application. Si PetCount a été délimité au niveau de l'application, vous pouvez lui affecter une valeur quand vous créez des exemples de données. Oui, non mais vas-y, ta gueule. Oui, créez vos données de façon à ce qu'elles soient accessibles là où vous en avez besoin. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Ne recréez pas PetCount à chaque fois dans tous les blocs case en fait. Si vous savez que le comptage du nombre d'animaux dans le tableau vous sera utile par exemple dans le case 4, mais dans ce cas, ne le définissez pas dans case 2, PetCount. Définissez-le en dehors du switch. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il sera accessible dans tous les cases où il y en a besoin. Si vous êtes sûr que PetCount ne sera utile que dans case 2, dans ce cas, définissez-le uniquement dans case 2. Sur une ligne de code finir, hein, machin, si c'est le truc suivant, bon, ouais, on se recrée notre petite boucle for pour... Oh. Alors. Hein ? Frère. Pitié. Alors, debug, donc ok, on revérifie si c'est vide ou pas. À nouveau, ce code doit vous sembler familier, vous laissez la fonctionner chez vous. Ok. Dans le bloc de code du if que vous avez créé pour implémenter PetCount de 1, entrez le code suivant. Je vais couper vers PetCount plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que j'ai un voisin qui passe la perceuse. On aime. Entrez le code suivant, prenez le temps, ok. Ce code va boucler dans le tableau Animals en recherchant les données affectées. Quand il trouve un animal avec des données affectées, l'incrément de pet counter. Ok, donc là en fait on est en train de compter le nombre d'animaux déjà saisis dans notre tableau Our Animals. Ok. Dans le menu, ok, super. Afficher un message, ok, donc maintenant après on affiche un message selon si pet count. Oh putain, ça me casse les couilles. Machin, PetCount, c'est lequel vous affichez le message à l'utilisateur sur une ligne de code vide. Ok, bon, super. Donc, if PetCount. Merde, c'est pas. Si, c'est bon. Est inférieur strict à MaxPets. Alors, on fait quelque chose. Else. Là, c'est forcément. Là c'est forcément ah oui, ou ça peut être un, ça peut être égal aussi, donc à mon avis on va faire un else if aussi. On va devoir faire pet count après, peut-être pas, parce en fait je suis pas sûr du else if, ça dépend ce qu'ils veulent en faire en fait de ce truc. Donc on écrit, nous avons actuellement tant d'animaux qui ont besoin d'une maison, nous pouvons encore accueillir, et là on calcule le nombre d'animaux que l'on peut encore accueillir, parce qu'on a défini que notre capacité maximum était à 8 au tout début. Prenez le temps de passer à revue, projet compte, case 2, ok. Attendez, je vais retirer mes else if parce que je crois que. Ok, on va tester. Un avertissement. Another pet. Ah oui, c'est parce qu'on l'utilise pas encore, c'est normal. Donc là, on va sur 2. Ah,
Ah oui. Ah oui. Un instant. Oui. Voilà, vous avez choisi l'option 2, nous savons actuellement machin, nous pouvons encore en manager. 4 de plus, et moi je suis désolé, mais je veux mes retours à la ligne. Dans cet état, je vous crée une boucle while qui continue à itérer tant que another pet est égal à... Yes, et que pet count est égal à... est inférieur à max pets. Ok. Oh, mais putain, ça m'emmerde, ce truc. Bah, j'imagine... On va le faire là, hein. Mais putain, je peux faire mes alt-tabs sans que ça me refoute dans des pages où j'en ai rien à foutre. Vérifier la condition de sortie pour la boucle des nouveaux animaux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Paiement de petcon. Déjà fait ça. Attendez. Là, on est en train de dire que tant que pet count est inférieur au strict à max pets, on fait le truc et on revérifie. Mais c'est débile. Jamais tu fais ça. Jamais tu vérifies deux fois la même condition. Et le pet count plus 1, c'est uniquement si jamais ça a été saisi, tu le mets pas maintenant. Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qui branle ? Attendez. Tant que l'utilisateur saisit yes à another pet et que pet count est inférieur strict à max pets, on ajoute un animal. Alors déjà non, tu le fais pas maintenant, ajoute un animal, tu le fais une fois que l'animal est ajouté dans ton tableau, abruti. Parce que normalement, c'est bien beau ça, mais ça on l'a initialisé à yes, de toute façon l'utilisateur a appuyé sur le menu par erreur et donc ne veut pas ajouter son putain d'animal. Et là tu recheck, mais ça sert à rien puisque là tu as vérifié déjà. Pourquoi tu recheck? Et après tu revérifies ici le yes no. Ce qui est normal là pour le coup. Parce que tu veux être sûr quand même que le mec veut vraiment ajouter son animal. Mais du coup tu n'incrémentes déjà pas, certainement pas à cet endroit là. Tu l'incrémentes une fois que tu rentres dans cette boucle et à la fin des instructions, au cas où que tu mettes un break autre part. Et ça, ça sert à rien. Parce que dans ton while, tu le fais déjà. Donc si dans ton while, tu vérifies déjà que pet count a fait un max pet, tu ne le revérifies pas avec un if ici. C'est débile. Parce que ton do while et ton while... Ah lui, par contre, ils sont débiles parce que normalement, ton while devrait revérifier que pet count c'est inférieur strict à... Parce que là, en fait, tu devrais mettre une troisième condition. Attendez. Ah non, ok, son do while, il sert juste à choper une instruction qui est correcte. Ok. Pareil ton parse, mais c'est pas grave.
Donc en fait là tu devras faire un do while, donc il check. En fait utilise ton while, là ton while il sert à rien en fait. Si tu fais des if là, à quoi sert d'avoir un while pour recheck la condition du while une fois que tu rentres dans la boucle? En fait ça c'est débile, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, par contre ça on l'ajoute. Le do while là tu l'ajoutes. Dans ton... voilà. Hop. Attendez, on va... hop, voilà. Et en réalité, cette boucle... en fait, ça sert à rien non plus. Parce que, en gros, vu que c'est en dehors, en gros... regardez. Parce que là, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que, j'ai envie de dire, peu importe le nombre, le pet count, ça va afficher combien d'animaux on a, et après, ça va faire... on peut manager encore tant d'animaux. Donc, au pire, cette rat, on peut manager encore 0 animaux supplémentaires. Donc, c'est bon, en fait. Ça signifie bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut pas en prendre plus. Le do while là, qui du coup se trouve dans le while, vu que là on vérifie que petcon est inférieur et strict à max pets, là on prend la... on prend la l'input de la personne, et en fait c'est ce while là qui va pas. En fait il devrait y avoir ce do while. Ouais, en fait, ça va pas, mais c'est pas grave. Donc, en fait, j'aurais déjà check une fois l'input de l'utilisateur pour savoir s'il veut, et s'il veut ou non réellement ajouter un animal, et ensuite faire le while, là. Toujours est-il que pet count et max pets, ça change rien. De toute façon, tu ne rentrerais pas dans ta boucle si tu peux déjà pas gérer plus d'animaux. Donc, tu t'en fous, ce n'est pas une saisie d'utilisateur, c'est un calcul, ça. Donc, le pet count ressort d'un calcul. Donc, quoi qu'il en soit... cette section-là du while, tu n'as pas à le revérifier dans le while. Par contre, cette section-là, tu es obligé de le revérifier une fois à cause de ça. Et donc là, tu fais ton if another pet égal y. Parce que de toute façon, tu le remets déjà en lowercase, donc tu es sûr que ce sera le bon format. Alors non, non, c'est crochet, n'ont rien à faire là. Mais en fait, du coup, ça, là, cette condition-là, elle sert à rien ici. Puisqu'on la revérifie là avant de faire les instructions dans le while. Enfin, ça devrait être while pet count, c'est inférieur à max pets. Ah mais non, parce qu'on pourrait pas en sortir s'il disait non. Bon, ok. Ça sert juste à ne pas rentrer dedans s'il dit non. Bon, certes. Et par contre ici, puisque ça on l'a là, là maintenant ici, on peut aussi mettre un if pet count. Et d'ailleurs, another pet, là c'est ici en fait qu'on va implémenter notre pet count. C'est ici qu'on l'implémente. If pet count est inférieur et supérieur ou égal à max pets, alors console.writeLine, et là tu mets ton we have reached Puisque là, après, une fois que tu sors de ce if, là, tu reviens là, ça va recheck. Et là, on sera plus dans... cette condition ne sera plus vérifiée. Donc, on va en sortir et on va passer ici. Est-ce qu'on entend? Je crois que mon micro entend la perceuse.
Je vais essayer d'aller voir si c'est dans une pièce spécifique. Je vais voir si c'est dans une pièce spécifique pour voir si je peux pas fermer une porte pour essayer de l'entendre loin, mais j'ai un doute. J'arrive. Bon, alors, c'est en dessous de la seule pièce de mon appart que je peux pas fermer actuellement. Dommage. Dommage, dommage. Allez, reprenons. C'est vrai qu'il y avait affiché à Petcon, l'invasion de Petcon est incrémentée, affecte la façon dont les données sont stockées dans le tableau Animals. Les éléments suivants expliquent la relation entre Petcon et les données stockées dans Animals. Ah, mais parce qu'ils utilisent Petcon. Ok, bon. Quand il était Petcon, il va pas être là. Il va être là. Voilà. Ils utilisent PetCount pour savoir à quel index on est pour ajouter l'animal. Ce qui fait sens, hein. Ce qui fait sens. Puisque là, en fait, on chope le PetCount. En fait, c'est le dernier index où se trouve un animal. Ok. Du coup, là, on l'incrémente et ensuite, on fait notre truc. Toujours est-il que là on vérifie si c'est inférieur strict. Donc même si c'était égal. Donc là imaginons que c'est égal, donc c'est-à-dire qu'on a atteint notre limite de. Si par exemple la pet count était à 8, donc on a atteint notre limite. Là ça checkerait, là ce serait faux. Puisque de toute façon c'est inférieur strict. Donc on est au max, ça rentre pas. Par contre on sera à 7, là c'est bon. Donc on rentre et on incrémente et ensuite on ajoute notre animal. Et basta, on n'en parle plus. Parce que le fait d'implémenter. En fait, le problème de d'incrémenter pet count quand on itère dans while, et ça, c'est que je comprends pas qu'ils en parlent pas et je comprends pas qu'ils aient pas fait gaffe à ça, c'est que si jamais tu augmentes pet count ici, et que là, le mec met non, dans ce cas, tu sors du while, l'animal n'a pas été ajouté, mais t'as quand même implémenté pet count de 1. Donc si le mec retourne dedans, ben en fait, j'ai de la merde parce que là, ça recompterait, donc là, ça remettrait pet count à jour. Ça reste débile! Arrête, débile! Tu n'implémentes pas un compteur tant que tu ne fais pas l'action. C'est pas compliqué.
Parce que là, il recompte à chaque fois. En réalité, ça, ça pour moi, tu le fais pas là. Tu le fais. Tu le fais. Je sais plus à quel moment on. Ouais, mais en fait, peut-être quand on le déclare ici. Mais. Ça, pour moi, ton pet count, tu le mets ailleurs. Mais. Parce que je vais pas t'en servir que dans le 2. En fait, ça marche. En fait, leur truc, là, ça marche très très bien. Uniquement. S'il n'y a que l'option 2 qui a besoin de pet count. Alors, je sais pas, peut-être qu'il n'y a que l'option 2 qui a besoin de pet count, mais bon, ça me paraît. Alors que là, le truc que je fais. Bon, si on oublie. En fait, si on oublie ça. Hein. Ok, ça, soit ça va en dehors si on a besoin dans un autre cas que 2, soit ça reste là si on a besoin que dans le cas 2. Ok, très bien. Par contre, le fait de mettre pet count ici plutôt que là, ça te permet de couvrir les deux situations, en fait. Ça fera la même chose si jamais ça concerne que case 2. Par contre, ça fera aussi la même chose si au final case 2 n'est pas le seul à avoir besoin de cet élément-là et qu'on le sort de case 2. Ah ben, on n'a pas besoin d'ailleurs modifier l'emplacement de pet count parce que ça marchera quand même. Donc, pourquoi prendre le risque de générer des erreurs? Alors tu peux tout de suite couvrir tous les cas de figure. Allez, tiens, on peut le faire ça. On va le faire. Petite erreur? Ah non. Voilà. Nous avons atteint notre limite. Donc on ajoute 4 animaux. 4 x 8. Jusque là, il manque encore le bloc de code ici qui va faire qu'on ajoute réellement les animaux. Et donc là, t'as le max. Et donc si je refais 2, ça va me demander si je vais en ajouter 1. Je fais 8. Ah mais là, on n'a pas vraiment ajouté. Du coup, c'était 8, non, ok. C'est normal. Parce que là, on les ajoute pas. Donc effectivement, ça remet pas le fameux pet count à jour. Créer du code pour lire, enregistrer les nouvelles données du tableau annuel. Ok. Maintenant, on va ajouter nos deux animaux. Donc déjà, on va commencer par... on devrait commencer par l'ID, mais visiblement, on commence par l'espèce. Très bien. Vous êtes là, je vous crée une boucle doux qui itère jusqu'à ce que l'utilisateur entre un nom d'espèce valide. Dog, chien ou cat, chat. Réutilisez votre chaîne Voidable Read Result pour capturer l'entrée console de Threadline que vous réutilisez aussi, machin. Ok, très bien. On va déjà commencer par initialiser un booléen qui va nous servir à check. C'est Valid Entry. Une expression qui est évaluée comme critère de sortie de votre boucle tout. Après, là, je râle, mais en réalité, tout ça là, en réalité, on ferait des méthodes. C'est ce qu'on verra dans la partition, je crois. Je sais plus si c'est dans la partition ou celle d'après. On va voir comment on crée des méthodes ou des fonctions. Mais je crois que c'est des méthodes, ça doit s'appeler en C#. Et là, en fait, on aurait créé des méthodes. En fait, on aurait créé... Bon, déjà, perso, j'aurais créé un objet animal. Mais même au-delà de ça, si on veut vraiment fonctionner avec des tableaux, on aurait créé une méthode ajoutée animal. Et du coup, ça aurait été un truc qui serait pas du tout dans ce code-là. Là, en fait, on aurait été case 2, on aurait fait appel à la méthode et il aurait tout géré tout seul de son côté. Et il aurait juste retourné si oui ou non l'animal a été ajouté. Donc un booléen, true ou false. Et si true, petcount plus plus. Si false, petcount ne bouge pas. Grosso modo. Sur une déclaration valid entry pour créer une boucle doux. Ok. Et là, on met notre texte. Hop. Enter dog or cat to begin a new entry. Et on attend la saisie de l'utilisateur. Ensuite, la saisie, on la remet en lowercase au cas où que le mec est tapé en majuscule dog, par exemple. Et une fois qu'il a fait ça, on va vérifier si
Attends, Elden Ring, il est pas initialisé à false. Ah non, parce qu'après il passe en true, mais on repart dans la boucle. J'ai un doute sur l'utilité de ce truc-là. Parce qu'on est dans le if, par contre, et on est dans le while. Ah, mais parce que notre valid entry, on va le remodifier. En fait, on utilise valid entry pour toutes les saisies. Alors que là, c'est juste 14 dog. Mais du coup, après, on va devoir refaire pareil pour tout. Oh là, quelle machine à gaz, sans déconner. Comparer botbook terminé pour entrer de nom. Ouais, bon. J'ai littéralement fait des copier-coller, les refs. Alors, pour construire l'idée de l'animal. Animal species dot substring. Donc j'imagine qu'on récupère le premier caractère. Enfin, le caractère 0 à 1 exclu. Donc D pour dog, c'est 4, ok. Et ensuite, on y ajoute un chiffre. Donc le numéro d'animal plus 1 parce qu'on ne veut pas de 0. Et on le transforme en string pour pouvoir être saisi dans... Animal ID. Donc là, on a notre espèce. Voilà. Vous savez quoi, on va... Hop, voilà. Faire des petites séparations, ce sera plus facile. Donc on a notre espèce qu'on a demandé à l'utilisateur. Ensuite, on a notre ID qu'on a créé nous-mêmes. Ensuite, on va vérifier l'âge. Alors là, par contre, j'en reviens à mon truc de tout à l'heure. Valid entry. Pourquoi on le repasse à... Enfin, pour moi, ça, en fait, ça n'a aucun intérêt. Si on devrait vérifier égal, égal ou égal, égal, valid entry égale true et valid entry égale false, à aucun moment. Puisque là, en fait, avant de venir ici, là, on est obligé de remettre notre valid entry à false. Parce que sinon, on va jamais rentrer dans le do. On va créer notre pet age. On vérifie quoi ? Ok. Ensuite, comme d'hab, on pet age. Mais animal age, c'est pas un string animal age. Animal age, c'est un string. Et là, on y met un int. Il va y arriver C sharp. Enfin, je crois qu'il y arrive. C'est juste que le compilateur lui n'y arrive pas. Mais bon. Et ensuite, on va faire notre check. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On initialise notre variable. On demande l'âge à l'utilisateur qui va saisir du coup un integer. On vérifie si la saisie est différente de nul. Ouah, c'est trop bizarre ça. Tu vérifies même pas s'il a saisi autre chose qu'un chiffre. Hein, on s'en bat les couilles quoi. Ah non, de toute façon, il peut saisir aussi un caractère. Mais pourquoi c'est un int alors? Animal age égale read result, ok. Ah oui, attendez, ok. Si l'animal age est différent du point d'interrogation, valid entry. Int, the try parse. Animal age, out pet age. Ok, donc en gros, on vérifie si... Ah oui, ok. En gros, là, valid entry prend la valeur true si on arrive à transformer l'âge en integer, donc en entier, et dans ce cas, on entre la valeur dans pet age. Pourquoi else valid entry égale true? Non, else valid entry égale false. Pourquoi valid entry égale true?
False. Attendez, j'ai fumé. Convertis la représentation sous forme d'une plage d'un nombre dans un style et un format propre à la culture spécifiée d'un entier 16-8 signé équivalent, une valeur de retour indique si la conversion a réussi ou a échoué. Retour booléen true si la conversion est réussie. Donc, si ça, ça réussit, ça, ça prend la valeur true. Donc là, on dit... Non, ok, ça y est, je viens de comprendre. C'est moi qui dis oui. Parce que c'est if machin. Donc en gros, ça va vérifier. Si, c'est égal, si ça c'est égal à. Si animal age est égal à un point d'interrogation tout simple, dans ce cas, ça prend la valeur true. Parce que le point d'interrogation est une valeur valide. Sinon, en gros, là du coup, ça va prendre. Ça va tenter de faire la conversion. Donc soit c'est un entier et dans ce cas, ça réussit et on a le bon âge. Si ça rate, sinon ça prend un faux. Non, ok, c'est moi qui dis de la merde. Très bien. Très bien. On n'a même pas testé de répondre à la question d'ailleurs. When is it appropriate to use a switch case construct rather than if else if else? Switch case construct is appropriate when the number of case pattern is small. Appropriate when the section statement is inside the loop. Switch case construct is appropriate when more than two, three else if code blocks are required. Je pense que c'est ça. Bon, on verra de raison. Créer une boucle pour lire et vérifier la description physique de l'animal. Mais attends, on ne fait rien du pet age par contre. Ah si, on le met dans animal age. Pourquoi on le stocke dans le int alors? J'ai raté un truc. Ou alors on est obligé pour pouvoir utiliser le try parse? Je pense pas. Je crois qu'on fait pas pet age.try parse. On fait int.try parse. Et le out est pas obligatoire. Genre typiquement là il n'y a pas de out. Là il y a le out. Mais Ah peut-être que si. Je sais pas. Créez une boucle pour lire et vérifier la description physique de l'animal. Dans cette tâche, vous créez une boucle do qui itère jusqu'à ce que l'utilisateur entre une valeur de chaîne qui représente une description physique de l'animal. Vous réutilisez la chaîne voidable read result pour capturer l'entrée, machin, ok. Donc maintenant, on veut la description. Donc on a l'âge, hop. Non, c'est pas là d'ailleurs, c'est là, voilà. On a l'âge, maintenant on veut la description de l'animal. L'intérieur du bloc de code doit être instruction do pour créer une invite d'affichage et ok. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir la description. Hop. Comme toujours, s'il y a une saisie, on met tout en lowercase. Ensuite, si l'utilisateur n'a rien rempli, oui, non, ok. Si l'utilisateur n'a rien rempli, on écrit to be defined. Bon, ça, en fait, c'est tout le truc, ok. On va juste faire un truc, c'est qu'on va tester si ça fonctionne.
On va ajouter un Shining. Il a 12 ans. Il est moche. He's ugly. Voilà. Très bien, super. Et là, on fait non. Attends, ils ont 5. Hop, on peut en manager 3. Super, parfait, ça marche. Parfait. Ok, merci. Créer une boucle pour aller vérifier la description de personnalité de l'animal. Hop. Donc, pareil. La description de la personnalité, ça va être juste une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on n'a pas de... C'est pour ça qu'on ne touche pas au booléen ici, là, pour l'entrée valide, parce qu'en fait, tout est valide comme entrée techniquement. On ne peut pas définir... Enfin, on pourrait, il y aurait des trucs qui pourraient demander, par exemple, une longueur minimum, des trucs comme ça, mais là, on va pas s'embêter jusque-là. Mais effectivement, par exemple, si on voulait que la description soit un minimum détaillé, on pourrait dire aux utilisateurs, faut que votre description elle fasse au moins 60 caractères. Donc, comme d'hab, tant que c'est pas... Tant que Animal Personality Description est vide, on demande à l'utilisateur de remplir, on lit sa saisie, hop, sa saisie, on va la foutre en minuscule, pour uniformiser, hein, tout simplement. Si jamais il a rien saisi, qu'il appuie direct sur entrée, ben dans ce cas, on la met en to be defined, parce que ce sera saisi plus tard. Et ça, on a notre boucle. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Créer une boucle pour lire et vérifier le surnom de l'animal. Hop. Donc maintenant, on va check le surnom de l'animal. Alors pareil, hein, le surnom de l'animal, c'est juste une chaîne de caractères. Donc, on va demander à l'utilisateur de le saisir et on va tout passer en minuscule. S'il appuie sur entrée direct, donc il n'a rien saisi, on le passe en to be defined. Et c'est fait. Comparer votre boucle terminée, ok, super. Enregistrer de nouvelles informations sur les émaux. Par contre, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est bien qu'on ait fait tout ça. Mais maintenant, il faut que tout soit saisi. Hop. Et donc là, ici. Parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, on est dans notre while. Case 2. Notre while ici, normalement. On voit la petite ligne, elle est rose. Ça nous permet de voir jusqu'où on descend. Voilà, on est toujours dans notre while. Et donc là, ensuite, on saisit. Donc à chaque fois, animal ID, animal species, animal age, animal nickname, tout ça. C'est tous nos blocs précédents là qui récupèrent ces variables là, qui remplissent ces variables là. Et là maintenant, on remplit tout dans notre tableau. Bon, maintenant, si on run, on va sur le 1. On voit par exemple que le C4, c'est notre dernière entrée. C4, c'est un chat, on connaît pas son âge, on connaît pas son nickname, tout ça. Très bien. Maintenant, on va sur 2. On ajoute un nouvel animal. On va ajouter un chien. On va ajouter un chien qui a 88 ans. Il est pas beau. Sa personnalité, il est toxique. Et son surnom, c'est Chris. Ok, bien. On ne veut pas ajouter d'autres animaux, donc on nous dit on a 5 animaux qui recherchent une maison. On peut encore en avoir 3 de plus, très bien. Et là maintenant on va dans 1, on reliste, et du coup notre dernier ajout... Il y a un problème. Parce que là on a D6. On a D6, on devra avoir... Il est où le 5? C'est le petcount plus plus là qui va pas?
va le faire à l'ancienne. On va le débug à l'ancienne. Merde. Console.console, oui. On va le faire à l'ancienne. Donc on a bien C4. Est-ce que je veux ajouter un nouvel animal? Yes. Pet count, on est bien à 5. Ok. Dog. 12, on s'en fout. Donc là, si on fait ça, pourquoi c'est D6? Ah, c'est parce que quand on fait l'autre ID, on ajoute 1. Pourquoi on ajoute 1? C'est débile? Mais non, pas 1. Juste pet count. Bref. Ça marche, principal. On va retirer par contre cette saloperie. Hop. Ok. Description, ok, super. Contrôle des connaissances. Quand est-il approprié d'utiliser une construction switch case? Alors voilà, ça c'est, je sais pas trop en fait. Une construction switch case appropriée quand plus de 2 ou 3 blocs de L-Sif sont nécessaires. Pour moi c'est ça. Quand le nombre de modèles case est petit, mais ça en fait j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu. Enfin, que ce switch case et quand lorsque l'instruction de sélection se trouve à l'intérieur d'une boucle. Non. Pourquoi un développeur choisirait une instruction for plutôt qu'une instruction for each? Une instruction for permet d'examiner chaque élément d'un tableau séparément. Son for each permet d'examiner chaque élément d'un tableau séparément. Les instructions for permettent à un développeur de traiter les dimensions d'un tableau séparément. Pourquoi est-il important de délimiter l'étendue d'une variable à son niveau nécessaire le plus bas? Cela garantit qu'une variable déclarée en dehors d'un bloc de code est accessible à l'intérieur du bloc de code avant qu'une valeur lui soit assignée. Cela garantit que les ressources de l'application et l'empreinte de sécurité restent réduites. Cela garantit qu'une variable est accessible dans les branches de code de niveau le plus bas d'une application. Moi je dirais que c'est pour ça. À mon avis, je vais avoir tout faux là, non? Je suis tout bon? Non, pas tout bon. Merde, non, attendez. Quand ça retourne en arrière, hein? Hein? Putain, je suis déconnecté. Vraiment, Microsoft, vous êtes des sacs à merde. Oh putain, en plus à chaque fois. C'est vraiment des sacs à merde, Microsoft. Il faut que je me retape le questionnaire, c'est ça. J'aurais répondu la même chose, mais j'avais que 200 XP, donc normalement, c'est-à-dire que je me suis trompé sur au moins un des trois. Oh la vache, c'est frire. De le terminer, hein. Mais le test des compétences. Attendez, je vais voir ça. Voilà. 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 Vérifiez vos réponses. Ah non, c'était bon. Ok. Donc c'est bien ça, c'est quand 2 à 3 blocs de if-else, effectivement, souvent on utilise un switch parce que ça devient un peu trop lourd d'utiliser des if-else. Ok. Check your answer. Super. Et super. File-moi mon succès. Ouais, ils ont changé le... Ils ont changé l'affichage. Ok, super. Alors. Develop branching and looping structures in C#. Challenge project. Ok.
Est-ce qu'on peut déjà répondre à la question? Un développeur needs to create an iteration statement under what condition? A while statement is better than a do statement. When the expression's value evaluated by the iteration statement are unknown prior to the iteration code block. When the expression values evaluated by the iteration statement are known prior. When the developer creates a nested do while loops. En gros, c'est dans quelles conditions du coup on utilise un while plutôt qu'un do while? Ben, quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas encore si l'expression sera bonne ou pas dès la première vague, dès la première loop, puisque le do en fait fait d'abord l'action une fois avant de faire le check. Développer des structures de branchement et de bouclage en C#. Très bien. Pause hydratation. Bien. On est déjà à 2 heures. On a mis 2 heures à faire l'autre bloc là. Je sais pas combien il prévoit. Là il prévoit 1h08. On s'en fout un peu. Ça fait quoi si on passe niveau 100 sur Microsoft Learn? On reçoit une offre d'embauche? Je crois que niveau 100, c'est peut-être pas tant que ça quand je vois. Ok. Let's go. Les applications utilisent souvent une combinaison d'instructions et de sélection et d'itération pour établir des chemins d'exécution de code. En outre, l'entrée utilisateur et les calculs influencent le flux à travers une application. La création d'une interface utilisateur qui implémente une spécification de conception peut être difficile. Supposez que vous êtes développeur travaillant sur l'application Contoso Pets, une application servant à trouver des foyers pour les animaux errants ou abandonnés. Une partie du travail de développement a déjà été effectuée. Par exemple, le menu principal de l'application et le code utilisé pour stocker de nouvelles informations sur les animaux ont été développés. Toutefois, certaines informations ne sont pas toujours disponibles lorsqu'un animal de compagnie est entré dans notre système. Vous devez développer les fonctionnalités qui garantissent l'existence d'un jeu de données complet pour chaque animal dont vous avez la charge. Dans ce module, vous allez développer les fonctionnalités suivantes pour l'application Contoso Pets. Une fonctionnalité qui garantit que l'âge des animaux et les descriptions physiques sont complets. Une fonctionnalité qui garantit que les surnoms et descriptions de la personnalité des animaux sont complets. Autrement dit, pour l'âge, on va vérifier que c'est différent de point d'interrogation. Pour la description physique, les surnoms et descriptions de personnalité, on va vérifier que ce soit différent de TBD. À la fin de ce module, votre application Contoso Pets garantira que chaque élément du tableau Our Animals est complet. Il s'agit d'un module projet de défi dans lequel vous allez réaliser un projet de bout en bout à partir d'une application. Ce module est destiné à être un test de vos compétences. Il n'y a que peu d'aide et pas d'instructions pas à pas. Objectif d'apprentissage, oui, bon, à lire. Préparez. Dans ce projet de défi, vous allez utiliser Visual Studio Code, oui, ok, super, vous utilisez l'expression booléenne, oui, très bien, très bien, très bien. Spécification de projet, le projet de code de démarrage de ce module est inclus un fichier, ok, le code déclare le tableau Our Animals, le code machin, le code, ok, très bien, très bien. Bon, en fait, ça, c'est ce qu'on l'a déjà vu, donc... Ok, très bien. On va télécharger le zip. Je suis pas sur le bon... Merde! Je suis pas sur le bon truc. Alors, téléchargement, challenge, hop, hop, extraire tout. Là, hop là, sectionner, extraire. Très bien. Merci. Voilà. Donc là maintenant... On a notre branching looping for each branching looping, il est là. Change project starter, donc hop, on va ouvrir le terminal ici. Là, voilà, on a nos deux fichiers. On ouvre ce fichier là, très bien. Je vais juste fermer quelques fichiers parce qu'on commence à en avoir trop.
Oui, save, save, save. Voilà. Là, on est bien sur Challenge Project Starter. Donc, en fait, là, on voit que... Voilà. Ils ont implémenté... C'est ce qu'on vient de faire, en fait. Tout ça, c'est ce qu'on vient de faire. C'est déjà implémenté. Et ils ont remis le Under Construction pour toutes les options, pour qu'on puisse... On puisse implémenter, et donc nous, de ce que j'ai compris, on va implémenter Age and Physical Descriptions are complete, Nickname and Personality are complete. Alors pourquoi est-ce qu'il c'est pas un seul et même truc? J'en sais rien. Faut pas poser de questions. Surtout qu'on a la description de personnalité et la description physique qui sont sur deux menus différents. Ça, en fait, il aurait fallu dans ce cas plutôt rassembler âge et nom dans un, et... Bref, on s'en fout. Je pense, encore une fois, je pense que c'est juste pour séparer. Et du coup, le case 5, c'est Edits an Animal's Age, Edits an Animal's Personality, Edits an Display All Cats. Attends, on édite, mais on n'a pas le Edits. Ok. Ok. Exercice, vérifiez que Pet Age et Pet Physical Descriptions contiennent des informations valides. L'application contre ce pet, c'est de machin. Bon, ta gueule. Caractéristiques dans cet exercice de défi, vous allez développer une fonctionnalité qui garantit que l'âge des animaux et les descriptions physiques sont complets. Cette fonctionnalité doit être activée à l'intérieur de la branche d'application appropriée. Elle ne doit pas remplacer le code dans la branche de code de l'option menu 2. Effectivement. Donc on va être dans l'option menu 3, je crois. Afficher la valeur de l'ID de l'animal de compagnie et invite l'utilisateur à fournir une valeur de données mise à jour si les données du tableau Our Animals sont manquantes ou incomplètes. Vérifier qu'une valeur numérique valide est affectée à Animal Age pour tous les animaux du tableau Our Animals qui ont des données affectées. Vérifier qu'une chaîne valide affectée à Animal Physical Description pour tous les animaux du tableau Our Animals qui ont des données affectées. Appliquer la règle de validation suivante pour Animals Age. Il doit être possible de convertir la valeur d'entrée en type de données numériques. Et donc qu'il rentre à un entier quoi. Appliquer la règle de validation suivante pour Animal Description. Les valeurs ne doivent pas être nulles. Les valeurs ne peuvent pas avoir zéro caractère. Toute autre description restriction incombe au développeur. Donc en gros, ils nous disent à vous de voir à quel point vous voulez être restrictif dans la saisie. Je vous avoue qu'on va pas forcément trop se faire chier sur ça. Attendez, un instant. Parce qu'on voit des trucs à côté. Bon, je l'affiche, mais... oui. Meilleur gacha mobile. Pour 2023, bon, Pokémon Unite, surtout Dragalia Lost, c'est ça a fermé, c'est fermé. Ça a éventuellement fermé il y a un an. Bref. Ok. Informe l'utilisateur de l'application lorsque toutes les exigences sont satisfaites en mettant en pause l'application pour être sûr que le message peut être vu et que l'utilisateur peut y répondre. Ok. Un invitation de commande terminale. Entrée TAP3. Vérifier que le tableau... Ok. Ok, un invite en vente à entrée 1. Ok.
Bon, première chose. Donc on est sur l'option 3. Hein. Age et physical description. Yep là. Première chose. Eh ben comme on a fait ici. Quelque part. C'est infernal ce case 2. On va parcourir notre... En fait, c'est simple. On va pas se faire chier. Il faut qu'on parcourir our animals. Pour chaque animal. Si la case age est vide, et si la case age égale égale machin, ou que la case physical description, faut que j'en chope le nom. C'est ça. On va choper animal age aussi. Histoire d'être sûr qu'il soit bien écrit, comme ça après je vais la... C'est égal égal à to be defined. Mais je crois même pas... Attendez, je crois que c'est même pire que ça. Attention. On est bien dans le challenge. On est bien dans le challenge. Run. Run, pépère. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que physical description peut être vide. Il peut être vide, mais il passe aussi sur à to be defined si on le rentre, si on rentre rien, je crois. Par contre, age sera toujours égal à point d'interrogation. C'est ça, hein. Donc là, c'est-à-dire que si je fais ça, je fais dog. Là, je mets en point d'interrogation, physical description. Hop, tout ça, je mets, voilà, je fais non. Et là, je fais 2. Merde, non, c'était pas 2 que je voulais faire. Fuck. C'était 1 que je voulais faire. Voilà, ça met des to be defined. Alors que... Ici, on n'a rien. Frère. Bref. To be defined ou vide. On va mettre, hein. Pour interrogation ou vide. Alors, bon déjà, on parcourt Our Animals, mais on veut pouvoir accéder à l'ID. Donc, for int i égale 0, tant que i est inférieur strict à avec pet count, mais on va, sauf que pet count n'existe pas ici, mais on va le redéfinir, on va le réinitialiser tout ça. Pas de souci là-dessus. I++. Voilà. Ça, c'est l'autre for. Alors, un instant, je vais juste faire un truc. Et, yeah. Quoi ? Voilà. Voilà. Je vais pas m'emmerder, je vous avoue. On va directement faire pet count. Chut. Là, attends, on a notre pet count. Yo, Wizdeck. Il y a BG3 demain. Ben, il me semble, normalement. Oui, pourquoi? Normalement, il y a BG3. Sauf que là, du coup, on ne veut pas après parcourir toutes les cases, toutes les caractéristiques des animaux. On veut parcourir uniquement l'âge et la description physique.
Donc là, j'ai la description physique. L'âge, c'est la 2. Et la description physique, c'est la 4. Donc ben là, pas de choix, on va faire deux if. Hein. If our animals. Et donc là, on fait i, virgule, 2. Égal. Donc là, c'est soit point d'interrogation ou vide. Quoique, je crois pas qu'on ait d'âge vide. Non, on peut pas avoir d'âge vide. Donc non, ça on s'en fout. Ce sera pour l'autre qu'il faudra faire un ou. Âge vieux. Ben tout à l'heure j'ai fait 88 ans, moche et toxique, et je l'ai appelé Chris. Il y a pas de planning, donc ça me perturbe. Faut blâmer Chris. C'est lui qui a pas fait son boulot. Faut le blâmer. Donc, si notre animal n'a pas d'âge, alors on va demander au con qui l'a saisi de saisir son putain d'âge. Donc, on fait un console.write. Non, pas write line, juste write. What is the age of pet number? Et là, on fait l'ID. L'ID, c'est comment? C'est animal ID. Et on va rajouter. Voilà. Et ensuite, comment read result? Read result égale console.readline. Et donc là, on attend la saisie de l'utilisateur. Sauf qu'en réalité, ça, on va le mettre dans un do. Pourquoi? Parce que on veut une saisie valide. En fait, le while, on peut même le remonter. Sauf que notre saisie valide, du coup, pour savoir si notre saisie est valide ou pas, alors on va pas le faire là, parce qu'on va l'utiliser sous... quoi que si, on va l'initialiser ici, en fait. Donc on initialise un booléen à false, on appelle correct value. Et donc après là on dit while correct value. Et on met un point d'exclamation devant pour dire qu'on veut que ce soit sur faux. Et donc tant que correct value sera false, ça va demander le do. Ce que je suis en train de réaliser, c'est que notre correct value en fait... c'est pas ici que ça va. C'est pas ici, c'est littéralement là en fait. Non, c'est pas là, putain. Je suis débile. C'est là, c'est au début de notre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait ça, regarde. C'est au début de notre if. Et ensuite là, on fait if, donc notre read value, read result, a été saisi. Read result, alors j'ai un doute, point to lower. On le met en minuscule pour l'uniformité des données. Notre correct value devient true. Et en réalité là, c'est animal physical description. Là, qui devient en fait read result to lower.
Et donc là, notre description physique, mais enfin, encore une fois, en fait, c'est débile. Et ça, c'est parce qu'ils saisissent dans des variables alors qu'il n'y a pas besoin de saisir, mais... Enfin, s'il y avait besoin... Pff, bref, je me comprends. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais là, on peut directement saisir dans Our Animals. Puisqu'on n'en fera rien de plus, en fait, de notre variable. Donc en i2, ça prend la valeur readResult. Parce que vu que là, ce qui a été saisi n'est pas nul, alors on pourrait même faire readResults est différent de ça. Au cas où que le mec ait juste saisi un espace. Il n'y a que toi qui te comprend, mais c'est déjà ça. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu le principal, tu vois. Comme toujours, en prog, c'est le résultat qui compte. Ouais, donc là, notre correct value devient true. On met la valeur, notre correct value devient true. Et donc là, on va sortir notre do while. Très bien. Ensuite. Je vais faire un else if. Mais c'est juste pour pas qu'on refasse le check suivant si on n'est pas en fait, si on est en i2, j'ai pas envie qu'il fasse le check suivant. Ça change rien. Enfin, vraiment, pour ce genre de truc, ça change rien. Mais donc on est en i4 cette fois. Attendez, j'ai fait une connerie là, on est d'accord? Attendez, j'ai fait une connerie. Oui, on était sur âge, on n'est pas sur description physique. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on vient de faire, ça va là, en fait. Oui, en plus, je demande bien l'âge, là. Alors, attendez. Ah. Alors, toujours pas ça. Voilà. What is the description? The physical description of pet number. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant. Et donc là, c'est bien 4. Ok, parfait. Maintenant, ici. En fait, la description... La chose est un petit peu différente. La chose est un petit peu différente. Puisque là... Donc on demande l'âge. On demande l'âge de l'animal. On initialise notre correct value à false. 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 En fait, le false, on aurait pu l'initialiser là. C'est pas grave. Read results concerne notre readline. Donc on demande la saisie à l'utilisateur. S'il nous saisit bien quelque chose, alors... Là, c'est différent. Là, on va faire correct value égale int point try parse. Non, tu veux pas? C'est un int majuscule, c'est ça? Parce que c'est un objet. Ouais. Try parse. Là, on va y envoyer read results. Et on va out sur animal age. Du coup là, on essaie de transformer la chaîne de caractères readResult en int. Si ça réussit, ça va passer correct value à true. Sinon, ça va rester à false. Et ça va sortir la valeur dans animal age. Du coup, le int que ça va sortir, ça va le mettre dans animal age qui lui est un string. Animal age est effectivement un string. Donc ça marche pas à l'instant. On est là. Oh, vas-y, il faut que je fasse un... Age wallo égale 0. Ça.
Alors. Bon. Ça a rien de le out dans Edge. Parce qu'après, on refait un two string en fait. Vas-y, frère, j'ai envie de péter mon crâne. Non, c'est pas ça en plus, c'est. C'est string, point. ToString. Ah, je vois là. Voilà, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et donc, en fait, on prend le. On prend. Mais c'est débile. En fait, si ça, ça marche. Ouais, bon, ça revient au même. En fait, soit on fait ça, soit on refait un if derrière, checkant si. Great value est sur true. Donc, bon, on va pas se faire chier, on va faire ça. Ce sera plus simple. Mais non, je suis débile! Non. Eh non. I2. Et du coup, là, on peut mettre directement read value, non? Read results. Bon, il y a un moyen beaucoup plus propre de le faire, mais on va dire que c'est bon, hein. Par contre, il faudra juste mettre des consoles de straight line histoire qu'on puisse s'y retrouver. Alors déjà ça, ça va là. Et du coup pareil pour là. Ça va dans le do. Et à la fin du tout, on fait juste un console.writeLine. On peut laisser vide je crois. Il me semble. Si on peut pas de toute façon ça vite. Bon, on va se prendre les erreurs dans la gueule là. Allez. Alors, qu'est-ce qui va pas? L'existence possible d'une assignation de référence nulle. Ou ça en 315. Bon, vas-y, tu sais quoi? String.toString. Ah, je vois là. Voilà. Ah, t'es content. Le nom int n'existe pas dans le contexte actuel. Quoi? En 311.44. Attends, mais le try parse, on l'a fait comment avant? Ah, c'était un i minuscule. Et vas-y, frère, j'ai envie de péter mon crâne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le age, on l'avait fait là, comme on avait fait. Pet age, ouais. On a saisi quoi là? Animal age. Animal age, il était égal à quoi? Ah, c'était read results. Mais donc, non, mais c'est bien ça, on fait donc read results. Mais pourquoi il m'a fait chier du coup avant? Mais en fait, non, oui, mais du coup, ouais. Bon. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il faut vraiment que j'arrête de fermer cette colonne à gauche. Ah 317.25, impossible de convertir implicitement le type string en booléen.
Ah bah oui, ça aurait été bien de mettre une condition ici. Effectivement, ça aurait été bien. Donc si our animal, donc là c'est l'exception physique, du coup est égal à TBD ou non, ou our animal est égal à rien du tout. Voilà. Voilà, on peut run. Donc déjà, on va ajouter un animal. On va ajouter un chat qui a 20 ans. Mais non, je suis con, fallait pas mettre d'âge. C'est pas grave. Description physique. Feuille de cigarette. Personality. Au secours. Nickname, Wizdeck. Donc là, si on liste, ça marche. Très bien. Et maintenant, on va voir si par contre, ça va nous bloquer sur le C4 pour les descriptions. Maintenant, on va sur 3. Et ça fait rien. Pourquoi ça n'a rien fait? Attendez, bien sur le case 3. Hein? Attends, il rentre dans la boucle? Comment ça, mon ref? Attends, quoi? Pourquoi I? On a branlé quoi avec I? Initialise à 3. Et pourquoi après il revient à 0, 1, 2, 3, 1? Ah non, mais le 3, c'est moi qui l'ai saisi, espèce de con. Donc il vient 0, 1, 2, 3, donc il check bien les 4. Oh putain de con. C'est bon, j'ai compris. Bah, dans ces cas-là, pour pas qu'on s'emmerde, on va initialiser à i à 1. Et on va faire inférieur ou égal. Hein. Sauf que c'était pas là. C'est là. Inférieur ou égal à Petcorn, ça. Non mais non, en plus je suis débile, mais non. Mais non, non, non. Non, non, c'est bon. Attendez. Ça veut dire que j'ai un problème de... Parce que c'est nul là, du coup? On va voir. Ah oui, pardon.
Tu regardais rendre le code plus compliqué que ça l'est. Mais non, mais surtout que je suis bloqué par leur truc en fait, parce que j'aurais pas du tout fait comme ça moi pour gérer leur situation. Mais là, je suis restreint par les instructions de... par le code d'origine qui m'est donné. Et il se complique la vie depuis le début, en fait. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on rentre pas dans les conditions. Attends. On est d'accord que Age, là, c'est un point d'interrogation. Donc pourquoi est-ce qu'en 3-2 ici, là, pourquoi est-ce qu'en 3-2, ils rentrent pas dans la boucle? Je comprends pas pourquoi ils rentrent pas dans la boucle. D'ailleurs, moi, L-Sif ici n'a pas de sens. Au passage. Mais Et je suis un petit peu confus. Si on va sur 3, on rentre bien dans la boucle hein, puisqu'on est bien, on a bien les 0, 1, 2, 3, donc on a bien les. On a bien les index. Ah mais attendez, il y a une couille. Salut Elias Goats. Pour l'instant, on fait pas de jeu. Pour l'instant, on essaye de comprendre les cours de C# de Microsoft. Attends. Ce que par contre, en fait, on fait la même boucle que ce qu'ils ont fait. Déjà, le comptage de nombre d'animaux, ça, on le fait de la même façon qu'eux. Bon, puisqu'on l'a littéralement copié-collé de leur code. Par contre... En fait, je peux aller voir sur le Case 1. Case 1, il reparcourt le truc. Pareil qu'eux, en fait. C'est juste que nous, on est intéressé par les cases 2 et 3, donc on va pas refaire, on va pas parcourir toutes les données du tableau, parce que ça a aucun intérêt. On parcourt chaque ligne, mais ensuite, la deuxième dimension, on est intéressé que par l'index 2 et 4.
de 4, c'est ça. Ah, mais c'est parce qu'il y a Age et Physical Description devant. Oh, allez vous faire foutre. Mais oui, mais ça, je l'avais dit que ça avait aucun putain de sens de... Ah, ça, ça me saoule. Jamais tu saisis en toutes lettres le putain d'affichage comme ça, parce que le jour où tu veux changer, il faut que tu rechanges dans ton tableau, ça n'a pas de sens. Tu mets que les données dans ton putain de tableau. Voilà, et là donc normalement on devrait rentrer dedans. Ah oui, par contre j'ai oublié d'afficher le numéro, c'est ça? Ah non, Animal ID. Oui, je passe son... Bon, c'est pas grave, on va voir. 3. Physical Description. Test, on s'en fout. Donc là, si on fait 1. Ah mais oui, mais en plus, c'est ça qui a pas de sens. C'est que du coup, si on fait ça... Il faut qu'on ressaisisse Physical Description 2 points ou Age 2 points. Non mais ça c'est vraiment de la merde par contre. Ça c'est vraiment de la merde parce que normalement tu mets que tes données dans le tableau. Et tout ce qui englobe l'affichage tu le fais autrement mais tu le fais pas via... Tu mets pas tes putains de menus dans le tableau, ça a aucun sens. Parce que du coup voilà, si tu modifies la donnée, t'es obligé de reconcaténer Physical Description 2 points avant. Parce que là du coup pour refaire... Physical description 2 points. Ouais, super. Et là, faut refaire age 2 points. Ça a aucun sens. Ça a aucun putain de sens. Ah, par contre, je comprends pas pourquoi il me met pet number, mais il me met pas le. L'ID. Parce qu'il met bien le point d'interrogation, mais le animal ID. C'est comme si le. Bah oui, non, mais je suis débile. Non, c'est moi qui suis débile, j'ai rien dit. Hâte de voir sur un projet où t'as fait entièrement dans 6 où tu diras la même chose. Hein? Hâte de te voir sur un projet que t'as fait entièrement dans 6? Eh? C'est quoi 6? Je dirais la même chose. Oui, par contre, 100%, je dirais la même chose sur ce que j'ai fait. Je dirais, dans 6 mois. Ah oui, non, mais clairement, quand ce sera mon truc, je dirais, mais qu'est-ce que j'étais débile il y a 3 semaines? J'étais complètement con. Mais bon, ok, Animal ID, et c'est normal que ça affiche pas. C'est parce que c'est moi qui suis con. Bon, l'âge. 45 ans. Description. Chris. Ok, et maintenant, si on fait 1... Voilà, Physical Description, Age. Mais ça n'a pas de sens quand même de faire ça. Jamais je fous les menus dans le tableau de données, Bizdeck, par contre. Ça faut être complètement con. C'est parce que normalement, après, tu ferais une fonction affichage et... c'est vieux, et B. Faut que tu fasses gaffe que Chris soit pas là quand tu dis ça, toi. Voilà, ce serait Our Animal. I2. C'est Our, par contre. Merci, Our Animal. Z. Voilà. Et là, tu fais Our Animals. Proche de la fin. Au bout d'un moment, c'est l'heure. Hein. Au bout d'un moment, faut y aller. Hein. Ok. Bon. Ça marche. Maintenant, on va leur faire la deuxième partie. C'est
S'assurer que les animaux et les descriptions, les surnoms d'animaux et les descriptions sont complets. En fait, c'est la même chose. Enfin, là, du coup, je pourrais presque recopier le code. Ok, un instant. On va arrêter les animaux. On va se faire chier. Hein. Reprenons dans l'ordre, par contre, parce que attends qu'on a copié tout ça. Et c'est là, on en revient à ce que je parlais tout à l'heure, c'est ce putain de pet count machin, là ça devrait être hors des cases, parce que là, c'est déjà le troisième case où on l'utilise. Initialise-le avant de rentrer dans ton switch, bordel de fion. Alors, déjà, ce qu'on a besoin comme info, c'est nickname, c'est 3, personality, c'est 5, ok. Allons-y. 3. C'est nickname de point machin. Voilà. On veut pas que ce soit vide ni to be defined. Hop. Personality nickname. Voilà. Ou... Puisqu'ils ont décidé de faire de la merde même dans leurs initialisations, on est obligé de courir les deux cas. Donc on n'a pas besoin du int. What is the... oui, non, mais deux, c'était déjà écrit. Nickname. Of pet, numéro, machin. Ça, on s'en fout. Donc, si read result est différent de nul. Dans ce cas, on remet nickname de point. Read result, ok. Et ensuite, on va aller chercher personality. Voilà, sauf que là, du coup, on n'est plus en 4. Ah merde, il faut que je pense à mettre à jour ça. On est en 3. On est en 3. 3, 3, 3, 3, 3, c'est parfait. Maintenant, là, du coup, on est en 5. Là, on est en 5. Hop, là on est en 5. Là on est en 5. Je suis un con, putain. C'est l'ID. Ça c'est l'ID. C'est I0. C'est I0 l'ID. Ok, personnalité de l'animal machin, résulte console read line, if read résulte différent de 0 ou de juste un espace, alors le 1, 5, se transforme en personnality plus read result dot lower to lower, on met correct value à true, et on passe à la suite. Super, c'est censé marcher. Petite erreur ? Hop, oh, petite erreur. Donc, of pet ID, ID demande... Ah, mais voilà, mais ça m'énerve. Et encore une fois, bon, ça c'est juste le bon. On s'en fout, on ignore, mais le number là il devrait paraître puisque ID number C4 c'est toute l'ID. C'est des 1000.
Quel est l'âge? 6 ans. Physical description. Small cat. Quoi? Ah merde, je suis con, j'ai check le 3 au fait. 4. C'est quoi le nickname? 4. Parce qu'il n'y a pas d'idée. Ah merde, j'ai laissé nickname. Bon, là, c'est personnalité. Dumb. Quoi? Ah non, attends. Nickname? Qu'est-ce que j'ai branlé avec le nickname? Merde! Ah! Ça aurait peut-être été bien de faire ça. Histoire de pas être bloqué dans une boucle infinie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais même pas comment on fait sur... sur Visual Studio pour... Voilà. ouvre-moi un nouveau terminal, par pitié. Attendez, du coup, par contre... Correct value. C'est bon, correct value passe à trop ici. Parfait. Retendons. Nickname. Small... Small cat. C'est son nickname, c'est small cat. Personality. Dumb. Ok. On va aussi aller modifier dans 3. L'âge. 6 ans. Physical. Description. Small. Ok. Et donc là, si on affiche 1... Voilà, notre chat 4 est devenu 6 ans, son surnom c'est Small Cat, il est small et il est con. Parfait! Ok. Et j'aurais dû mettre un message disant c'est complet pour tout le monde à la fin de la boucle. Tant pis. Un développeur écrit une application dans Visual Studio Code. Il enregistre les modifications apportées à son fichier programme.cs puis exécute une commande .NET build. Dans le panneau de terminal, quelles informations peut-il trouver dans les messages d'erreur et avertissements signalés? Une ou plusieurs suggestions pour résoudre les problèmes de syntaxe détectés, le numéro de ligne et les informations sur la cause de l'erreur. Effectivement. Un développeur doit créer une instruction d'itération. Dans quelles conditions une instruction while est-elle un meilleur choix qu'une instruction do? Lorsque les valeurs d'expression évaluées par l'instruction d'itération sont inconnues avant le bloc de code, lorsque les valeurs d'expression évaluées par l'instruction d'itération sont connues avant le bloc de code, lorsque le développeur crée des boucles imbriquées de way. C'est quoi? C'est dans quelles conditions une instruction while est-elle un meilleur choix? Lorsqu'on ne sait pas. C'est faux. C'est faux. Évidemment que j'ai confondu les deux. Bon, du coup, là, c'est quand on... Hein? Attends, c'est complètement con. Quand c'est l'expression... Attends, c'est complètement con, non? Attends. C'est ça que j'avais mis. Inconnu avant le bloc de code. Lorsque le code est en mesure d'évaluer l'expression de boucle avant la boucle, une instruction while permet au code d'implémenter 0 itération. Hein? Enfin oui, ça je comprends. Lorsque les valeurs d'expression évaluées sont inconnues avant le bloc de code itération. Oh, j'ai mal compris. My bad, c'est moi qui ai mal compris. Très bien. On s'en fout, on a notre succès. Et là, normalement, ils vont check. Ok, on a fini ça. Il en reste 3. On a la moitié. On a fait la moitié. Incroyable.
motivé. Quelle heure il est? Première question. Quelle heure il est? 5h24, ça va. Est-ce qu'on commence la suite? Ça, c'est la vraie question. Work with variable data in C-sharp console applications. Choose the correct data type. Convert data type using casting and conversion techniques. Perform operations on arrays using helper methods. Ok. Je pense qu'on peut faire au moins les deux premiers. Hein. Je pense qu'on peut faire au moins les deux premiers aujourd'hui. Et dans la semaine, on essaie de finir ça dans la semaine pour que le week-end prochain, on commence ça. Je suis juste en train de check 2-3 trucs et après on s'y remet. Désolé, hein, j'arrive. Holy shit. En fait, il va falloir que je crée des playlists de musique pour les live codes. Parce qu'il faut des playlists longues, en fait. C'est chiant, il faut des playlists longues. Quelque chose me dit que les musiques d'Arcane ne doivent pas être libres de droit. Bon, en tout cas, il ne doit pas y avoir de DMCA sur les musiques d'Arcane. D'ailleurs, c'en est où cette histoire d'Arcane là? C'est quand. C'est quand la suite? Pareil, RD Sounds, je suis pas persuadé qu'il fasse pas de DMCA. On va dire sur le classique, hein. On reste dans le même genre. Ok. Bon, allez, on va commencer les data types. Quand même. Comme eux-mêmes. C'est tellement bizarre qu'ils abordent les data types uniquement. Bon, en même temps, c'est pas vraiment un cours pour la programmation, c'est un cours pour apprendre le C#. Donc tu me diras, ça fait sens. En fait, En fait, c'est trop bizarre, parce que d'un côté, sur la structure, t'as l'impression qu'il part du principe que tu
sais déjà, tu connais déjà l'algorithmique, des trucs comme ça. Et en même temps, dans les cours, ils te réexpliquent des trucs qu'ils t'ont déjà expliqué, surtout des trucs basiques. Donc c'est un peu... T'as l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises, en fait, avec leurs cours, et c'est un peu... bizarre. C'est un peu bizarre. Ça s'adresse à la fois aux débutants et pas aux débutants. C'est un peu étrange. Parce que pareil, tu m'excuseras, mais je pense pas qu'il y ait besoin de tout un chapitre sur les data types en C#. Things using building string data type methods. Alphanumeric data for presentation. Operations on arrays. Ça m'intéresse par contre. Enfin, tu vois, genre ça, c'est intéressant. Mais les choses de correct data type. Bon. Je pense que ça aurait pu être un chapitre. Enfin, un paragraphe au début d'un autre cours, quoi. Bref. Eh ben, allons-y. Oh, putain, il y a eu une flashbang. Question. A piece of code must store a whole numeric value between negative and positive 1 million. Which data type should you choose? Bah, int. 1 million, ça rentre largement dans les int. Parce que les int 16, c'est quoi? C'est pas 4 milliards quelque chose? Les int 16 et les int 32, c'est encore plus gros. Pas une histoire du genre. Ouais, bon, après, c'est des trucs assez courts, hein. Ah, le pire, c'est, ça va être ça, là, les virgules flottantes, là. Entre float, double, décimal, mes couilles. Bon. Ça flotte. Ça va être beaucoup de lecture, je pense, ce chapitre. Hein. Le langage de programmation C# s'appuie considérablement sur les types de données. Les types de données restreignent les sortes de valeurs pouvant être stockées dans une variable donnée. Ce qui peut s'avérer utile quand vous essayez de créer du code exemple d'erreur. En tant que développeur, vous effectuez en toute confiance des opérations sur vos variables, car vous savez à l'avance qu'elles ne stockent que des valeurs valides. Supposons que votre travail consiste à créer une application qui doit extraire, manipuler et stocker de nombreuses sortes de données différentes, notamment des valeurs numériques individuelles et des séquences de valeurs numériques et textuelles. Choisir les types de données appropriés est essentiel à la réussite de vos efforts de développement de logiciels. Mais quelles sont vos options ? Et quels critères devez-vous utiliser pour faire le tri entre plusieurs types de données qui ont l'air similaires? Dans ce module, vous découvrirez comment votre application stocke et traite les données. Vous apprenez qu'il existe deux sortes de types de données qui correspondent aux deux manières dont les données sont traitées. Vous écrivez du code qui identifie les valeurs maximales et minimales et qui peuvent être stockées dans un type de données numériques particulier. Vous découvrez aussi les critères à utiliser pour choisir entre types de données numériques pour votre application. À la fin du module, vous saurez utiliser différents types de données. Allez, ta gueule. Découvrez les types valeurs et les types de références. Avec de nombreux types de données disponibles en C#, choisir le bon implique de comprendre à quel moment en choisir un plutôt que l'autre. Et avant d'expliquer pourquoi vous pouvez choisir un type de données plutôt qu'un autre, vous devez en savoir plus sur les types de données. Vous devez également savoir comment fonctionnent les données et les types de données en C# et .NET. D'ailleurs, enfin, je sais que le C# peut être utilisé sans le .NET, mais... Bon, après, c'est Microsoft. En même temps, c'est un cours Microsoft sur C#. J'ai peut-être pas été le plus malin du monde. On va dire qu'heureusement que Godot ont inclus de permettre d'importer le .NET maintenant dans les projets Godot depuis la 4.0, quoi. Parce que sinon, il aurait fallu tout réapprendre, en fait. Il aurait fallu tout réapprendre. Parce qu'on utilise plein de trucs spécifiques à .NET, en fait, depuis le début. Que sont les données? La réponse à ces questions dépend des personnes auxquelles vous allez poser et du contexte dans lequel vous la posez. Dans le domaine du développement de logiciels, les données sont essentiellement une valeur stockée dans la mémoire de l'ordinateur sous la forme d'une série de bits. Un bit est un commutateur binaire, simple et représenté sous la forme d'un 0 ou d'un 1, plutôt de désactiver et activer. Un seul bit ne semble pas utile, mais lorsque vous combinez une série de 8 bits, ils forment un octet. Et j'ai soif.
utilisé dans un octet, un bit prend une signification dans la séquence. En fait, vous pouvez représenter 256 combinaisons différentes avec seulement 8 bits si vous utilisez un système de numération binaire. C'est pour ça qu'il y a 256 caractères ASCII. Fun fact. Par exemple, dans un système de numération binaire, vous représentez le nombre 195 par 1100001. Le tableau suivant aide à visualiser la manière dont le système fonctionne. La première ligne comporte 8 colonnes qui correspondent à une position dans un octet. Chaque position représente une valeur numérique différente. La deuxième ligne peut stocker la valeur d'un bit individuel 0 ou 1. Oui. Voilà. 1 en binaire, ça vaut 1. Là, ça vaut 2. Là, ça vaut 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et ainsi de suite, si jamais on rajoute après un octet encore derrière. Si vous additionnez le nombre indiqué dans chaque colonne de la première ligne qui correspond à 1 dans la deuxième ligne, vous obtenez la valeur décimale. Bon, en gros, ils sont en train d'expliquer comment fonctionne le binaire. Au secours, c'est bon, j'en ai assez bouffé à l'IUT. Qu'en est-il des données textuelles ? Bon, bah, les données textuelles, spoiler alert, on définit qu'un chiffre, ça représente une lettre. Et c'est pour ça qu'il y a le ASCII, c'est pour ça qu'il y a Oh merde ! Le Unicode. Chercher. Ce problème du ASCII, c'est que ça prenait, voilà, ASCII A est stocké en 45, non, c'est pas ça ? 97, non mais ils ont fumé. C'est pas 97 A en ASCII ? C'est pas 65 ? Ah, mais c'est le A majuscule en ASCII qui vaut 65. Oh la vache, le. La flashbang. Voilà. 65, c'est A. Mais c'est A majuscule, là, il nous parle de A minuscule, donc ouais, 97. Qu'est-ce qu'un type de données ? Un type de données est une façon dont un langage de programmation définit la quantité de mémoire réservée pour une valeur. Il existe plusieurs types de données dans le langage C#, utilisables à de nombreuses applications et tailles de données différentes. Pour la plupart des applications que vous créez au cours de votre carrière, vous vous contenterez d'un petit sous-ensemble de tous les types de données disponibles. Malgré tout, il est quand même essentiel de savoir que d'autres types existent et pourquoi. Type et valeur de référence. Ce module se concentre sur les deux sortes de types en C#, les types référence et les types valeur. Les variables des types référence stockent les références à leur données, objets, c'est-à-dire qu'elles pointent vers des valeurs de les stocker ailleurs. En comparaison, les variables et les types de valeurs contiennent directement leurs données. Au fur et à mesure que vous familiarisez avec le langage C#, de nouveaux détails apparaissent concernant la différence fondamentale entre les types de valeurs et les types de références. Autrement, les types de valeurs, c'est un integer, un type de référence, c'est genre un string, je crois, non ? C'est pas ça ? Pas ça l'histoire ? Type de valeur simple. Type de valeur simple, c'est un ensemble de types prédéfinis fournis par C# sous forme de mots-clés. Ces mots-clés sont des aléations. Ah oui, peut-être qu'en C#, string est natif. De type prédéfini dans la bibliothèque de classe .NET. Par exemple, le mot-clé C# int est un alias d'une valeur définie dans la bibliothèque de classe .NET comme system.int32. Les types de valeurs simples incluent un grand nombre de données que vous avez peut-être déjà utilisées, comme char et bool. Il existe également de nombreux types de valeurs intégraux et à virgule flottante pour représenter une large gamme de nombres entiers et fractionnaires. Très bien. Quelle proposition représente le mieux la façon dont les bits représentent des états activés et désactivés ? 1, 0. Découvrez les types intégraux. Dans cet exercice, vous utilisez les types intégraux. Un type intégral est un type de valeur simple qui représente des nombres complets sans fractions tels que moins 1, 0, 1, 2, 3. Les types de données les plus connus de cette catégorie est int. Oui, bon, par contre, vous m'excuserez, mais c'est bon, les... un type signé utilise ses octets pour représenter un nombre égal, positif et négatif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends un octet, tu pourrais représenter, je sais pas moi, j'ai plus les chiffres en tête, genre 8 milliards de valeurs. Sauf que du coup, en réalité, tu ne peux en représenter que 4 milliards parce que tu en as la moitié pour les chiffres négatifs, la moitié pour les chiffres positifs et 1 au milieu pour 0. C'est... Ok, utiliser les données min value et max value pour chaque type. Ah, on peut faire ça ? Vas-y, on va check.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai pas mis de fermeture du... des objets. Donc un short byte, S-byte, c'est de moins 128 à 127. Un short, c'est de moins 32 768 à 32 767. Un in, c'est de moins... Attendez. Je crois que c'est 2 milliards. Hein. Visa. Moins 2 147 millions 800 483 648 à 2 147 millions 483 647. Et à longue, il est hors de question que je lise ce chiffre, mais c'est beaucoup. Très bien. Type intégraux non signé. Et donc, non signé, bah évidemment, on va doubler le champ des possibles pour les chiffres positifs, mais pas pour les chiffres négatifs. Sauf si vous savez que vous utilisez des types non signés. Dans ce cas, vous pouvez vous amuser en remettant un négatif avant d'afficher le résultat. Oh putain. Je vais y arriver. Donc voilà. On voit qu'en fait les valeurs ont doublé. Ok, récapitulatif et un type intégral. Ok, super. Quel type de données a une plage de nombre entier compris entre 0 et 65 000? Bah, c'est facile, on a la réponse là, c'est uShort. Super. Découvrez les types à virgule flottante. Voilà, ça me. Et en même temps, au final, à la fin, j'utilisais juste double. Hein. Je vais être honnête, souvent j'utilise juste double, comme ça je suis sûr de moi. Tranquille, et puis basta. Ok. Tout d'abord, vous devez prendre en compte le nombre de chiffres de précision que chaque type autorise. La précision correspond au nombre de valeurs pouvant être stockées après la virgule décimale. Deuxièmement, vous devez considérer la façon dont les valeurs sont stockées et son impact sur l'exactitude de la valeur. Par exemple, les valeurs float et double sont stockées en interne dans un format binaire, tandis que les valeurs décimales sont stockées dans un format décimal. Pourquoi est-ce important? La réalisation d'opérations mathématiques sur les valeurs à virgule flottante binaire peut produire des résultats surprenants si vous êtes habitué aux mathématiques décimales. Souvent, les mathématiques à virgule flottante binaire sont une approximation de la valeur réelle. Ainsi, float et double sont utiles car de grands nombres peuvent être stockés avec une faible empreinte mémoire. Toutefois, float et double ne doivent être utilisés que lorsque l'approximation est utile. Par exemple, une erreur de quelques millièmes dans le calcul des éclaboussures causées par une boule de neige dans un jeu vidéo fournit un résultat suffisamment proche. Quand vous avez besoin d'une réponse plus précise, vous devez utiliser décimal. Chaque valeur de type décimal a une empreinte mémoire relativement importante, mais l'exécution d'opérations mathématiques vous donne un résultat plus précis. Ainsi, vous devez utiliser décimal quand vous travaillez avec des données financières ou dans un scénario où vous avez besoin de résultats de calcul précis. Genre envoyer une fusée sur la Lune. Oh wait, je suis pas sûr qu'ils utilisaient décimal à l'époque, vu le peu de mémoire qu'ils avaient. Utiliser les propriétaires min value et max value, ok bon. On va refaire pareil. Hein. Hop là. Voilà, un float. On va en moins 3, machin, puis 10 puissance 38 à 3, machin, puissance 38 avec 6 à 9 digits de précision. En fait, c'est surtout ça en fait, qui est important. C'est pas tant ce chiffre-là. On s'en fout un peu. C'est... En fait, c'est puissance. C'est pas 10, c'est puissance 100. Mais c'est vraiment la précision, là, en fait, qui nous intéresse. 6, 9 décimales, c'est pas beaucoup. Les floats, j'ai jamais trop eu l'utilité. Parce qu'en fait, tu perds vite de la précision. Et du coup, bah, dès que tu fais...
des calculs de vecteurs ou autre, en fait, c'est mort. Parce que du coup, tu peux avoir une trop grosse différence par rapport à ce que tu voudrais. Alors que le décimal, alors que le double, c'est 15 à 17 après la virgule. Là, tu commences déjà à être sur des chiffres plutôt pas mal. Et décimal, j'ai dû l'utiliser quelques fois quand on faisait des modélisations mathématiques. Mais la majorité du temps, tu vas utiliser double, en fait. Tout simplement. Déchiffrage et grande valeur à virgule flottante. Comme les types à virgule flottante peuvent contenir de grands nombres avec précision, leur valeur peut être représentée en notation E, c'est-à-dire une forme de notation scientifique qui signifie x 10 puissance. Ah non, si, c'était bien x 10 puissance, ok. Si la valeur 5E plus 2 correspond à une valeur de 500, car elle équivaut à 5 x 10 puissance 2, ou 5 x 10 au carré, donc 5 x 100. Très bien. Vérifier reconnaissance. Quel est le meilleur type de données à utiliser pour traiter des dépôts bancaires décimales? Les types références incluent les tableaux, les classes et les chaînes. Ah, donc c'est bien ça, le string est une référence, le array est une référence, tout ça. Les types références sont traités différemment des types de valeurs concernant la façon dont les valeurs sont stockées quand l'application s'exécute. Dans cet exercice, vous découvrez en quoi les types références diffèrent des types valeurs et comment utiliser l'opérateur new pour associer une variable à une valeur dans la mémoire de l'ordinateur. Différence entre les types références et les types valeurs. Une variable de type valeur stocke les valeurs directement dans une zone de stockage appelée pile. La pile correspond à la mémoire allouée au code en cours d'exécution sur le processeur. Également appelée frame de pile ou frame d'activation. Une fois l'exécution du frame de pile terminée, les valeurs sont supprimées de la pile. Une variable de type référence stocke les valeurs dans une région de la mémoire distincte appelée TAS. Le TAS est une zone de la mémoire qui est partagée par de nombreuses applications s'exécutant sur le système d'exploitation en même temps. Le runtime.NET communique avec le système d'exploitation pour déterminer quelles adresses mémoire sont disponibles, puis demande une adresse à laquelle il peut stocker la valeur. Le runtime.NET stocke la valeur, puis retourne l'adresse mémoire à la variable. Quand votre code utilise la variable, runtime.NET recherche simplement l'adresse stockée dans la variable et extrait la valeur qui y est stockée. Bon, comme tous les langages de programmation du même niveau que C#, hein, donc tout ce qui est Java, C, C++, tout ça, ça fait pareil en fait. Ça fait pareil. Python encore plus, évidemment. Définir une variable de type référence. Supprimer ou machin, oui bon, allez, ta gueule. Mets à jour le code en éditeur comme suit. Une instance int new int 3, ok. Shorten string. Oui, ok, très bien, bon. Il nous explique en gros que voilà, il y a des références d'instances. Il y a des instances de référence qui sont créées quand on fait ça, voilà. Une nouvelle instance de système .string est créée et réalisée. Donc voilà, c'est .string, sauf que du coup, ça, c'est une variable de c'est un type de référence, et donc ça, voilà, ça va créer une référence. Très bien. Quel type de variable est créée si l'opérateur new est utilisé? Référence. Continue. Je sers le type de données approprié. Vous avez entendu parler de la différence entre les types de valeurs et les types références, ainsi que les types intégraux et à virgule flottante. Supposons que votre travail consiste à générer une nouvelle application qui extrait, manipule et stocke différents types de données. À quel type de données, utilisez-vous? Ça dépend du type de données. Dans certains cas, le choix est simple. Par exemple, si vous avez besoin de manipuler du texte, vous utilisez par défaut le type de données string, sauf si vous devez effectuer une quantité significative de concaténation. Mais qu'en est-il si vous utilisez les données numériques? Vous avez le choix entre 11 options différentes. Comment allez-vous choisir le type de données approprié? Ça dépend de la situation. Avec un tel choix de type de données, quels sont les critères à utiliser pour choisir le bon? Dans une situation particulière. Ok, j'ai mal lu la phrase. Pour évaluer vos options, vous devez tenir compte de plusieurs considérations importantes. Souvent, il n'existe pas une seule réponse correcte, mais plusieurs réponses. Mais certaines réponses sont quand même plus correctes que l'autre. J'ai commencé à avoir du mal. Je pense qu'une fois qu'on a fini ce module-là, je vais arrêter parce que je commence à vraiment avoir du mal à lire. Je vois plus clair.
Le choix d'un type de données peut permettre de définir les limites de la taille des données que vous pouvez stocker dans cette variable particulière. Par exemple, si vous avez une variable particulière qui doit uniquement stocker un nombre compris entre 1 et 10 000 pour rester dans les limites prévues, vous allez probablement utiliser le type byte ou sbyte. Dans les faits, personne, tout le monde va utiliser int, mais bref. Enfin, encore une fois, c'est comme toujours, ça dépend de ce qu'on fait. Si on prend notre exemple, nous, qui est notre objectif final, qui est de faire un jeu, si on faisait un jeu triple A avec des gigas et des gigaoctets de données, de trucs à prendre en compte, dans ce cas, oui, on va essayer d'optimiser au max. Dans les faits, non, les studios ne le font pas parce que les développeurs n'ont pas le temps de faire attention à ça. Ils sont pressés, donc ils utilisent int, comme ça, ils sont sûrs que ça passe, tout simplement. Nous, pour notre petit jeu qui va tourner tranquille pépère sur une calculatrice, honnêtement, on s'en bat les couilles d'utiliser un int ou un sbyte. Hein. Ça changera rien au résultat final. C'est vraiment utile quand on fait quand c'est des programmes très précis, très poussés. Mais honnêtement, on fera jamais ça. On fera jamais ça. Vous n'allez probablement pas avoir besoin d'utiliser int long, uint ou ulong, car les types peuvent stocker une quantité de données supérieure à vos besoins. De même, vous allez ignorer float, double, décimal si vous n'avez pas besoin de plus de valeurs fractionnaires. Oui, bon, allez. Hein. Choisir les types de données en fonction des types de données d'entrée et de sortie des fonctions de bibliothèque utilisées. Supposons que vous voulez stocker une plage de plusieurs années entre deux dates, comme il s'agit d'une application métier, vous pouvez déterminer que vous avez besoin d'une plage d'un an de 1960 à 2200 uniquement. Vous pouvez envisager d'utiliser byte, car ce type peut représenter les nombres compris entre 255, entre 0 et 255. Oui, certes. En revanche, quand vous examinez les méthodes intégrées sur les classes System.TimeSpan et System.DateTime, vous rendez compte qu'elle n'accepte en grande partie des valeurs de type double et int. Vous choisissez sbyte, vous allez constamment caster et recaster entre sbyte, double et int. Dans ce cas, il peut être plus judicieux de choisir int si vous n'avez pas besoin d'une précision supérieure à la seconde, et double si vous en avez besoin. C'est ça. Parce qu'évidemment, si c'est pour faire du cast en boucle, bah autant stocker directement dans nos trucs. Choisir les types de données en fonction de l'impact sur d'autres systèmes. Parfois, vous allez tenir compte de la façon dont les informations sont consommées par d'autres applications ou d'autres systèmes. Par exemple, SQL, si on fait une base de données, c'est interagi avec une base de données. Ainsi, un mappage entre les deux doit se produire pour que vous puissiez ensuite enregistrer les données dans cette base de données. Si votre application est vouée à servir d'interface pour une base de données, vous devez probablement prendre en compte la façon dont les données y sont stockées et la quantité de données stockées. Le choix d'un plus grand type de données peut avoir un impact sur la quantité et le coût du stockage physique requis pour stocker toutes les données générées par votre application. C'est vrai aussi. Si vous avez une grosse base de données, eh ben, le fait d'utiliser un sbyte au lieu d'un int, par exemple, si vous pouvez vous le permettre, ça peut vous faire gagner des sous. Dans le doute, s'en tenir au principe de base. Int pour la plupart des nombres entiers, décimal pour les nombres représentant de l'argent, boolean pour les valeurs true ou false, et string pour les valeurs alphanumériques. Oui, voilà, c'est ça. Dans le doute, c'est le mieux. Choisir les types complexes de spécialité pour les situations spéciales. Oh, bordel. N'inventez pas les types de données si en plusieurs types de données existent déjà pour un usage donné. Les exemples suivants identifient les cas où les types de données .NET spécifiques peuvent être utilisés. Oui, parce que ça, en plus, byte de machin, c'est des types de données... Je sais pas, des types de données natifs chez tout le monde, ça. Bah, utiliser des données chiffrées provenant d'autres systèmes informatiques ou utilisant des jeux de caractères différents. Double, usage géométrique ou scientifique. Double est souvent utilisé pour créer des jeux impliquant des mouvements. Voilà. Typiquement. Et encore, parfois, c'est même décimal. Hein. Si on a besoin d'une grosse précision. Comme toujours, ça va dépendre si votre jeu, si la structure de votre jeu, typiquement, est basé sur une grille en 10 par 10, un float suffirait parce qu'il n'y a pas la précision nécessaire. Si on est sur une grille de 3 milliards par 3 milliards, là, on va peut-être avoir besoin de passer sur du décimal ou du double, parce que je crois que le double, ça marcherait quand même. System.DateTime, TimeSpan, pour une plage en année, pour une valeur en date. Okay. Très bien. Un extrait de code doit stocker les valeurs numériques entières comprises entre les valeurs 1 million négatives et positives. Quel type de données devez-vous choisir ? Int. Le code d'un jeu doit stocker un grand nombre de valeurs fractionnaires représentant les positions X, Y et Z dans un grand espace 3D. Il devra probablement effectuer des calculs physiques pour les trajectoires, etc. Une précision absolue n'est pas nécessaire, mais il est important que le programme s'exécute efficacement possible. Alors là, on peut... Ils disent que la... En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas double, là. Parce que pour moi, c'était double.
Ce qu'ils disent que la précision absolue n'est pas nécessaire. On va mettre float. Le problème de décimal aussi, c'est que ça fait des données plus lourdes à traiter et du coup, c'est pas aussi efficace. On va essayer float, on va voir ce qu'ils disent. Parmi les informations suivantes, laquelle est vraie? Les types de références sont stockés dans la pile. Oh merde. Non, je crois pas. Les types de valeurs peuvent uniquement stocker des noms. Les types de valeurs peuvent uniquement stocker des nombres. Utiliser l'opérateur new pour créer une instance de type de référence. Oui, c'est ça. J'ai un doute sur celui-là. Oh, ok, c'était bien ça. Très bien. Fiez-moi mon succès. Merci. Du coup, petit 1 million, ouais, bon, c'est in, ça c'est sûr. Très bien, et on continuera la prochaine fois parce que je vois plus clair. Est-ce que je ne vois plus clair? Bon, on a bien avancé aujourd'hui. On a bien avancé aujourd'hui. On a la moitié du truc. Oh, déjà le 14 octobre, si je veux finir avant la fin du mois, ça va être chaud. Hein. Il faut que j'arrive à en caler dans la semaine. Voilà, ça devrait aller mieux. Là, je devrais me libérer du temps dans la semaine maintenant. Donc ça devrait aller. Il faut juste que je planifie mieux mes semaines, honnêtement. Mais ça va le faire. Après, on verra, parce que je pense qu'il y a des trucs qui vont aller plus vite aussi dans ces sections. Typiquement, là, ce qu'on vient de faire, ça a été assez court. Hein. Tranquille, la musique. D'ailleurs, la musique, je vais pas me mettre un petit peu, là, de... Voilà, merci. J'ai bien envie d'écouter ça, là. Ok. Donc il y a des sections qui vont aller plus vite que d'autres, hein, évidemment. Ça va le faire. Moi j'y crois. J'y crois à ce qu'on ait fini d'ici la fin du mois. Parce qu'après tout, faut y croire dans la vie. Au secours. Bref. Bon. C'était intéressant. On avance. Maintenant, moi, je vais faire autre chose. Notamment... du ménage, parce que j'ai rien foutu ce matin, mis à part sortir mes poubelles, au secours. Puis voilà. On se retrouve demain sur Baldur's Gate 3. Sur Baldur's Gate 3 avec les trois autres Gugus, évidemment. Demain à 14h. Et après, pour la semaine, surveillez le programme sur Discord, le planning. Chris le mettra s'il le fait cette semaine. Sac à papier. Et puis c'est tout. Sur ce, des bisous, la bonne soirée, bon week-end, tout ça. Demain pour le meilleur jeu, pour Baldur's Gate. Des bisous. Go.